Bonjour. Bonjour, bonjour. Appelle son nom, il est là. Il est là, il est là. Bonjour. Good morning, everybody. How are you guys doing? Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Je bénis ta dîme. Je déclare que ce que tu as demandé quand tu payais cette dîme, le Seigneur te l'accorde. La puissance du Saint-Esprit. Donc ceux qui ont payé leur dîme, je bénis vos dîmes. J'étais en train de parler avec une de mes filles l'autre jour. Et elle me racontait. En fait, elle faisait juste un bilan. En disant qu'en seulement. Je crois qu'elle a commencé à payer sa dîme chez moi depuis 2 mois. Deux. Donc elle disait en fait qu'elle a fait un bilan et puis il y a tellement de choses qui ont avancé. Elle vient d'ouvrir son propre salon de beauté. Et quoi d'autre? L'autre jour, elle dit qu'il y a un de ses cousins en Europe qui n'a. Enfin, tu vois le genre de cousin qui ne te calcule jamais. Il reste comme ça et puis lui dit, envoie-moi un peu tes détails bancaires. Elle envoie et puis lui envoie 85 000. Et voilà, je vois comment tu te débrouilles en ligne. Je voulais juste te motiver comme ça. Donc, ça fait partie des choses qui se passeront dans votre vie en tant que choisi. Donc, good morning and welcome. Shall I speak in English just for a little bit? A little while. My English is fading, you know. I think I need to speak a little bit more in English. Should I talk in English? Good morning, René. How are you? Shall we do a little bit in English this morning? Yes, ou bien non, non, non. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. You don't even get what I'm saying. Depuis que je suis. Reader. Texting. Sweet, you understand, but the rest of them, they're not even answering because they're not getting what I'm saying. I'm great, thank you. If I start talking in English, you know, I will lose at least 50% of them. They're gonna check out. All right. Okay. So if you check my videos this morning. I'm going to have an English service at this, you know, from this month. So, an English page. I had somebody, and he's actually translating all of my videos. So very soon you're going to have all of my content in English on an English speaking page, so that English speakers will not feel frustrated when I'm talking. Yeah, I spent 9 years in England, and during the first 4 years I wasn't talking English,
But the last 5 years, I really enjoyed talking and, you know, speaking English on a constant basis. All right. So, some things that will happen when you start. Non, je veux parler en français. Je veux pas frustrer les gens. Ronaldo, je ne suis pas là pour savoir tes problèmes. Ok? Si tu as les larmes, c'est bien. Je suis pas là pour atténuer la douleur de tout le monde entier. Ok? Right? Ok. Les choisis sont dans une... J'ai annoncé au début de ce mois, nous sommes dans une phase de récolte. MC Karine dit que ne nous fais pas ça. Nous sommes dans une phase de récolte. Et vous devez savoir les signes pour récolter. On ne récolte pas comme ça. Tu ne peux pas marcher comme ça, là, tu roules, après tu dis 1, 2, 3, 4, soleil. Tu t'arrêtes, tu pars dans le champ de quelqu'un, tu commences à casser son maïs. Il y a des étapes. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez semé depuis longtemps. Vous avez vraiment semé. Et vous êtes bloqué dans la phase d'attente. Donc, je vais vous expliquer des principes qui vont vous permettre de maximiser votre saison de récolte. Je viens préciser que la saison de récolte est très, 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 très occupée, très busy. Quand tu récoltes, tu es très occupé. La première chose que tu dois avoir ou savoir faire, c'est recenser. Parce que beaucoup d'entre vous avez semé sans savoir que vous étiez en train de semer. Certains d'entre vous, même votre maman a semé pour vous. Donc l'une des caractéristiques de la récolte, c'est qu'on récolte ce que nos parents, nos ancêtres ont semé. Donc ceux qui ont les grands-mères qui étaient des sorcières là, c'est pour ça que ta vie ne donne pas. Ta mère était méchante, elle n'aidait pas les gens. Ta vie ne donne pas. Donc, toi-même de ton côté, tu dois commencer à semer pour prétendre à une récolte dans le futur. Ok? Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'on n'a pas fait dans ta vie, peut-être personne ne t'a jamais rien donné. Moi, avant, le Jacques, moi, j'avais grandi. On a commencé à me donner, c'est à partir de 26 ans que j'ai, et la première personne qui porte que je viens me donner, c'est mon cousin. J'ai commencé à semer quand j'avais 23 ans. Et je ne savais même pas le principe de semence. Et pour moi, je me disais, je pouvais être gentil en passant, mais dédier mon temps pour aller faire quelque chose pour quelqu'un, surtout le premier endroit où j'ai commencé à semer, c'était l'église. Quand je commençais à apprendre leur façon de faire. Et j'observais beaucoup les blancs. Je me suis rendu compte que les Anglais, c'était des personnes qui étaient tellement gentilles, généreuses. Un jour, j'étais bloqué quelque part, je ne sais pas où. Et on ne trouvait pas de bus pour rentrer. Tu vois, il y a des endroits en Angleterre que quand tu arrives et 18h te trouves, par exemple, il n'y a plus de service de bus. Donc, j'appelle un jour, je suis allé quelque part très tard. Et peut-être j'étais allé coiffer une dame vers les coins reculés de Wolverhampton, comme ça. Là. Et quand je finis, j'arrive à l'arrêt de bus, je vois qu'il n'y avait pas de bus. Je me rappelle bien, il y avait un couple qui m'avait porté. Ils étaient tellement gentils. Je me suis rendu compte qu'après avoir semé, la première phase de semence que j'ai appris, c'était la semence de l'église. Viens évangéliser, Dieu va te bénir. Je fais, j'attends. Je dis, ah, mais Dieu. Je viens nettoyer l'église. Je nettoie, le pasteur dit, well done my daughter. Well done my daughter. Je pars, je ramène les gens à l'église. Il dit, j'ai évangélisé l'autre jour, 15 personnes sont venues à l'église. Praise the Lord. They give their life to Christ. Praise the Lord. Après, j'ai l'impression que Dieu ne voit pas. Je me suis rendu compte après que les Anglais avaient une façon généreuse d'être avec les gens. Un Anglais peut te voir. Il a utilisé ses chaises depuis un an et demi. La deuxième année, il voit, tu viens d'aménager. Tu viens de prendre une maison, c'est vide. Il porte ses chaises, il te donne. Tu dis, je veux même. Il dit, non, ne me donne pas l'argent. Souvent, je faisais dans les conteneurs. À 23 ans, de 23 à 26 ans, je faisais les conteneurs. Hi, which city are you watching from the UK? Which city? I was in Birmingham. I used to live in Edgbaston. Yeah.
Donc, souvent, je partais, quand je vais les conteneurs, je partais chez certains Anglais, peut-être acheter des choses. Tu arrives, peut-être quelqu'un te vendre sa cuisinière. Tu arrives, il te dit, tu veux aussi le micro-ondes? Tu veux aussi, il porte même quatre choses chez lui, il te donne. Tu dis, are you sure? Il dit, non, no problem, don't worry, don't worry. I bought a new one. Yeah, I'm going to get a new one from August. Il te dit, je vais acheter un nouveau. L'ancien, là, il te donne. Et en Europe, je crois qu'il n'y a que les Anglais qui peuvent vendre. Il achète quelque chose à 5 000 pounds. Il utilise 2 ans. Il vend ça à 50 pounds. Le Français achète quelque chose à 5 000 euros. Il utilise 10 ans. Il vend à 4 300 euros. Excusez-moi. Ouais, pourtant, je voulais pas rire ce matin. Mais apparemment, on a commencé avec les rires. Les Allemands, hein. When I used to go in London, London was too crowded for me. I had my friend living in a elephant castle, I don't know, somewhere like there. Me, London and me, I tried. I couldn't stay 1 week in London. Just the underground, all those things. Oui, la reine Nathalie. Nathalie, je pense pas que tu sois française dans ton sang là n'est pas français. Tu n'as pas le sang français. Tu comprends? Thank you, love you too. Là, t'es pas française dans ton corps là. Vraiment. Merci. J'ai de beaux yeux. Thank you. Recevez la guérison ce matin. Que votre chakra de la gorge s'ouvre. Je vais ouvrir votre chakra de la gorge. J'ai regardé un TikTok ce matin. Le ice cream song. Excusez-moi, je dois faire une pause un peu de rire, ça. J'ai regardé les gens danser, ça m'a trop plu. I just love it, J'aime voir les gens quand ils sont contents. Ce n'est pas planifié, tu vois, non? Recevez de la joie non planifiée ce matin. Recevez. Recevez la joie non planifiée. Bonjour, photo. How are you? I'm Gaga. Oti Popura. C'est vrai, j'ai envie de danser. J'ai laissé mon baffle à Douala. J'ai un baffle là qui marche avec. Quand ça me prend, on sait, elle met la musique. Même si c'est dans l'avion que je mets, ça me danse. Recevez de la joie ce matin. Recevez. Recevez de la joie ce matin. Beaucoup d'entre vous, votre ventre est en train d'être libéré. Mettez la main sur le ventre. Mettez la main. Je libère ton ventre de tout bourdonnement, la constipation, tout serpent, tout scorpion dans ton ventre. Allez. Je libère, je libère, je libère. Encore la vibration. Allez, on fait encore, non? Ne t'inquiète pas. Les meilleures choses sont en train de venir à toi. Les meilleures choses. Je ne connais pas l'île de Bajounet.
Tu ne connais pas l'île de Badjoun. Oh, moi, Francie, pardon. Si tu m'écris le Badjoun là, je ne connais pas l'île de Goma là. Écris le français. J'enlève les ondes négatives qui étaient bloquées dans votre corps. Recevez la libération de votre gorge. Tout ce qui bouge dans votre ventre, ce qui vous met mal à l'aise, toute boule dans votre ventre, je la retire. Ariel, Takanam, où tu es? Tu écris quand tu mets les accents. Tu mets les accents sur ça. Reçois la libération des énergies dans tes bras. Tu avais beaucoup d'énergie bloquante dans tes bras. J'enlève cela. Je restaure ton aura. J'enlève les larmes qui étaient bloquées dans ton corps, que tu n'arrivais même pas à sortir. Tout endroit, on t'avait enfermé, on t'a enchaîné comme une prisonnière. Tu perds beaucoup la mémoire ces derniers temps. Tu restes, tu te perds, tu défends, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu dis que tu vas faire quelque chose, tu te lèves, tu oublies. Comme je sonne la cloche, si tout endroit, on t'a fermé, je te sors de là. Comme je sonne comme ça, tu te lèves. Je te sors de là. Sors. Je commande que tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tes membres commencent à bouger, tu t'actives. Tous ces pans qu'on a utilisés pour t'attacher. Je vois quelqu'un ici, on a pris un papier, on a mis ton nom dessus, on t'a attaché quelque part. Je te détache comme tu écoutes ceci. Je libère ta gorge. J'enlève les épines qu'ils ont mis dans ton cœur, toutes flèches qu'on a envoyées dans ton cœur. Les lourdeurs que tu sens depuis la nuit, depuis que tu te réveilles, tu es comme figé sur le lit. Je détache ton corps. Comme je sonne cette cloche, tout démon qui est venu se cacher dans ta nuque, je le retire à cet instant. Toutes coquilles qu'on a mis sur ton cœur, tout AVC qu'on a planifié pour toi. Tu sens parfois, tu ne sens pas souvent certaines parties de ton corps. Comme je sonne ça, je te libère. Je te libère. Je te libère. Je déclare que tu t'alignes avec ta mission de vie. Tu t'alignes avec ce que tu es censé faire. Viens t'aligner. Je commande à toute entité négative dans ton corps, toute peur que tu ressens depuis. Tu ressens la peur, je sens une peur qui est sur toi. Ça t'accroche les bras. Et derrière ici, je sors cette peur. Comme je sonne cette cloche-ci, je sors cette peur. Commande à tout esprit négatif dans ton corps de sortir à cet instant. Beaucoup d'entre vous, vous aurez des glaires. Tu as l'impression que tu as envie de cracher. Il faut laisser ça sortir. Toute nourriture lourde qu'on t'a fait manger dans le rêve ou même physiquement.
Je retire ça de ton corps maintenant. Amel Mbella, tu as déjà fait quel kit? Je vais commencer à chasser les gens sur mon direct. Les gens qui me suivent depuis 12 mois là. Vous me suivez depuis 12 mois, je n'ai jamais vu votre témoignage. Je vais vous chasser, je vous bloque. Me suivez. Désabonnez-vous de ma page, s'il vous plaît. L'autre jour, maman est venue me voir à Yaoundé avec son petit-fils. Sous la pluie, s'il vous plaît. Vous mettez vos grosses fesses sur les chaises, vous me regardez à travers votre téléphone. Vous croyez que c'est seulement m'écouter qui va faire quelque chose? Même te lavable, ça, tu ne te laves pas. Je vous guette, je vais commencer à vous bloquer, une à une. Je vous préviens. Elle dit que dans les prières, j'étais venue à Yaoundé il y a 3 mois, en mai. La maman elle est venue me voir avec l'igname. Le 12e a apporté le plantain non mûr. Le lendemain, ça a mûri. C'est pour moi, il faut que je cherche la mère là, je lui donne sa propre prophétie. Elle est venue avec un sac de plantain comme ça, les gros plantains. Elle me dit que quand elle était venue me voir en mai, elle avait toujours prié pour que son fils obtienne. C'était bon, quoi qu'elle voulait que son fils ait là. Je crois que la semaine qui a suivi, son fils a eu. Elle me dit que je vends seulement le bois. Mais les choses que la mère est en train d'accomplir avec le bois qu'elle vend. Vous êtes dans mes vidéos chaque jour. Je vais commencer à vous chasser une à une. One by one. Les pavas qui me suivent là. Vous voulez rien faire. Un an, on ne voit pas ton témoignage. C'est nécessaire que je vous dise ça. Quittez derrière moi. Je ne suis pas la reine des dormeuses. Il y a un peu une activité que tu as commencé. Ton commentaire, j'avais rien à foutre. Vous me suivez, non? Même tes likes, ne suis plus mes vidéos. Quitte ma page. Si tu ne vas pas faire ce qui était dit, tu vas te laver au sel, quitte ma page. Même mon beau visage ne me regarde plus. Tu as compris? Ne viens plus me regarder comme je suis bête, ne viens plus. Je suis choqué par le nombre de personnes qui me suivent et qui ne font rien spirituellement. Je vous connais. Aide-moi, aide-moi. Il te suit depuis 6 mois. Le seul qui est la cuisine de ta tante chez qui tu vis là, tu as pris pour te laver avec. Tu sais, j'avais commencé, j'ai arrêté. Comme je mange ça. Vous avez compris, non? Vous venez sucer l'énergie ici le matin dans les vidéos. Vous n'en faites rien. Quittez sur ma page. Je vous vois, je vous connais, je peux vous bloquer une à une. Tu vas laisser, tu vas chercher ma page, tu vas plus voir. J'étais bloqué. C'est bon, non? Je peux continuer ma méditation maintenant. Thank you. Je ne donne pas les prophéties. Vous cherchez les charlatans en ligne. Vous cherchez les gens que vous avez pas dit. Vous cherchez des gens. Parle-moi. C'est pas ici. Quitte mon direct. Quitte. Je libère votre gorge pour que vous parliez. Avant que tu avais peur. Tu as peur, tu es caché quelque part. J'ouvre ta bouche pour que tu parles. Oui. Tu parles maintenant. Tu parles à tes clients. Tout ce que tu demandes, on te donne. Ça débloque quelques personnes. Miss Com. Attends, il te bloque. Hein. Et peut-être que quand tu es sur ma page, ça me fait quelque chose. Et je bloque. Hein. Ça me réjouit. Je ressens une jouissance quand je bloque les gens. Oui.
Peut-être tu penses que quand tu mets sur les combien de followers que j'ai là, quand tu vois le numéro 1 de ta part là qui s'affiche, tu crois que ça me fait quelque chose. Le maître est autant influencé par l'élève. Autant que l'élève influence le maître influence l'élève. Donc si vous venez, vous êtes tout dans ça là. Même tes yeux, je ne veux pas tes yeux sur ma vidéo. Ne me regarde pas. Ne regarde pas mon visage. Don't look at my face. Des semaines, tu sais que tu es censé ouvrir tel truc, tu es censé commencer tel business, tu tournes comme ça, comme la chaise du coiffeur. Peut-être que là tu n'as pas de papier. Hier, avant-hier, un monsieur me contacte, il suit mes vidéos ici, là. Il me dit, c'est Dexter, Dexter. Je dis, Dexter. Je vois souvent Dexter sur les coups qui commente mes vidéos. Il me dit, oui, je suis de la Guadeloupe. Je veux payer ma dîme, je n'ai pas de papier. Il faut que je voie comment je vais faire. Je ne peux pas envoyer de RIA et tout ça, là. Il a marché, il est parti trouver la femme qui me représente à Paris, puisqu'il a donné sa dîme chez elle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes trop confortables. Tu as tes dons spirituels là que tu connais déjà. Tu n'y aides personne avec. Tu es couché chez toi le matin. Tu juges même les gens qui font les TikTok. Quand tu vois la suite du sel, tu dis, ah, ça c'est rien. Moi, je connais plus que ça. Moi, je mets le citron, je mets le coup de girofle, je mets ça, je monte sur le plafond, je me mets en position comme ça avant de me laver. Agent de lumière à deux balles. Tes dons, c'est pour aider les gens. Talia Nangue, si tu n'as pas l'argent pour payer ma consultation, je ne suis pas censé te parler. Je vous dis toujours, achetez vos kits, ne cherchez pas à me parler. J'ai des gens que ça fait 2 semaines qu'ils entendent sur ma liste. Ce n'est pas parce que tu as payé, même si tu as l'argent là, tu peux payer, ils ne te parlent pas. Il y a des périodes où on ne me permet pas de consulter les gens. Parfois, je me lève le matin et je dis à ma secrétaire, donne-moi la liste des gens que je dois consulter aujourd'hui. Je m'assois. On refuse. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Achetez les kits, commencez à travailler sur vous. Vous ne voulez pas. Je crois que c'est en me parlant que ça va changer quoi. Beaucoup d'entre vous, c'est la têtutesse. Vous êtes têtu. Vous êtes têtu. Je vous dis, hora. Oui, vous êtes têtu. Il y a beaucoup de ces femmes-là qui me regardent. Les prophétesses, les pasteuses, les pasteurs. Mm-hmm. Je vous connais. Parfois, ils viennent à moi, ils font comme si ils ne connaissent rien dans la spiritualité. Vraiment, ma reine guide. Tu parles, tu vois que la fille, c'est là. Oh. Donc, tu connais beaucoup comme ça, là, tu ne fais rien. Il y en a parmi vous, vous ne deviez même pas me suivre. Allez créer votre page. Parlez aux gens là-bas. Tu me critiques dans ta tête, mon frère. Tu me critiques dans ta tête. Ah, ben super. Tu as déjà commandé ton kit. Oui, on a envoyé chez toi par DHL. Je crois que tu es en Suisse, c'est ça. Oui. Beaucoup d'agents de lumière. Vous êtes là comme ça. Tourne. Une de ces femmes est venue me voir à Yaoundé l'autre jour. Elle arrive. Pendant que j'enseignais, son énergie était différente. Tu vois le genre de choisi d'icône là, non? Oui. Elle a les dons. Mais il y a trop le... Je ne sais même pas quel mot je vais mettre sur ça.
Oui. Talia, ne t'amuse pas avec moi. Hein. Talia, je vais te bloquer. Achète un kit. Pas le kit fondation. Il y a le kit désenvoûtement. L'un de mes plus puissants kits désenvoûtement. Prenez ça, je viens de le fabriquer. Ce n'est pas l'enseigne de Mars. Il y a les nouveaux kits que j'ai mis sur le marché. Il y a le kit chocolat. Le kit chocolat, il est disponible. Je vais encore doser le kit chocolat là. Chaque mois, tu vas faire un nouveau kit. Tu vas voir mes choses se débloquer dans ta vie. C'est chaque, c'est le niveau, niveau, niveau. Kit désenvoûtement. On dit désenvoûtement. À ton avis, tu comprends. Désenvoûtement là, ça sonne comment à tes oreilles? Ça sonne comment à tes oreilles? Oui, il y a le kit de maison hantée. J'appelle ça kit de maison hantée. Le kit pour protéger sa maison. Beaucoup d'entre vous, vous aimez juste les bavardages. Vous ne savez pas que nous sommes dans une guerre spirituelle. J'ai commencé. Depuis que je parle là, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. J'ai commencé à croire que je devais enseigner. Après, j'ai commencé à faire ding, ding. Maintenant, là, on me fait seulement vous gronder. Vous ne comprenez pas qu'on est. Il y a une bataille spirituelle. Il y a une bataille énorme qui se passe. Vous êtes sur TikTok en train de critiquer les gens. Hein? Pourquoi elle a teinté ses cheveux? Et voilà, je trouve qu'il faut qu'elle se repose, hein. F you. Je suis à Libreville. Je suis arrivé hier soir à Libreville. Avant-hier, je vais vous montrer le trajet que j'ai fait en l'espace de 3 jours. Je suis quitté d'Abidjan. Je suis arrivé à Douala. J'ai fait une journée, non, 2 jours à Douala. Je suis allé à Yaoundé. J'ai fait 2 jours à Yaoundé. Je suis quitté Yaoundé à 2 h, je suis arrivé à Bafoussam à 5 h, à 6 h 30. Je suis arrivé à Bafoussam à 6 h 30. On a quitté Bafoussam à 18 h 30. Je suis arrivé à Douala à minuit 30. Minuit 30, j'arrive à Douala. Je prends l'avion à 15 h pour aller à Libreville. J'arrive à Libreville à 17 h. Comme ça, voilà mon trajet depuis les 4 ou 5 derniers jours. Attendez, bloque quelques petits idiots. Les idiots pauvres. Brise Maestro. Vous voilà. Les gars, n'achète pas mon sel. Vous aimez trop simplifier les gens sur TikTok. Tu me tutoies qu'on se connaît. On voit le sel que tu es. Non, n'achète pas. Faut acheter. N'achète pas toi au voyou. Tarnan. Vous ne comprenez pas la saison dans laquelle nous sommes. Le royaume des ténèbres sévit plus que jamais. On poste par DHL, que tu sois à Paris, que tu sois à Londres, que tu sois à Washington, que tu sois à Montréal, que tu sois à Abidjan. Les kits sont disponibles sur place à Abidjan. Sur place à Libreville. Je suis à Libreville comme ça. Je vais faire peut-être 4 jours ici. Je suis venu ici pour travailler sur les gens. Et je vous ai dit, quand vous m'attendez dans votre ville, payez en avance. Les gens qui vont vouloir m'appeler aujourd'hui pour dire que je vais te voir, je suis à Libreville là. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas, vous maîtrisez, n'est-ce pas? Je viens, je travaille sur ceux qui ont payé, qui m'attendent. Donc comme je suis arrivé là, ma secrétaire va vous contacter. On vous donne le rendez-vous, vous venez, je vous vois. Vous n'aimez pas l'autre. Les gens spirituels, vous aimez le désordre. Si tu as déjà reçu le kit, Chantal, si tu as déjà reçu le kit des envoûtements, fais-le. Suis méticuleusement tout ce que j'ai mis dans ce kit-là. Tu vas voir toi-même. Vous allez débloquer les dimensions d'argent dans votre vie chaque mois. Chaque mois, ton argent va doubler. Tu as 500 000 le mois, si le mois prochain, c'est 1 million. Le mois d'après, c'est 2 millions. Le mois d'après, c'est 4 millions.
Et ce n'est pas la blague. Si tu es au Cameroun, tu commandes en poste. En poste Garoua, Maroua et Bolova. Yaoundé. Peu importe l'endroit où vous êtes en poste. Ce qui se passe dans le monde spirituel actuellement, les choisis ont besoin d'activer totalement leur pouvoir. Parce que la bataille qui est en train de se passer, vous avez besoin de ressources financières. Ressources financières, obéissance. Et la première chose qui vient, c'est l'obéissance d'abord. Ce n'est même pas l'argent. Parce que c'est l'obéissance qui te donne l'argent. Vous allez commencer à comprendre que vous êtes un général d'armée dans ce combat que nous sommes en train de mener contre les forces humaines. On envoie les choses à Kinshasa, on poste. Le royaume des ténèbres est en train d'abrutir les gens. Il est en train de faire que certaines personnes se lèvent pour aller bloquer d'autres personnes. Vous aurez beaucoup d'agents de ténèbres qui vont s'activer. Vous avez beaucoup de jalousie. Parfois, tu restes dans ça, tu commences ta chose. Tu commences ton business. Du jour au lendemain, aucun client ne passe plus. La boutique est à Makepe, derrière Paja Center. Donc tu arrives à Makepe Lycée, tu dis que tu pars à la menuiserie qui est derrière Paja Center. En face, vous avez ma villa, vous avez la plaque dehors. Ou bien vous appelez simplement 680-71-0701. 680-71-0701. Ça, c'est le numéro du Cameroun, Douala. Non, pour Libreville, c'est le 074-18-0080. 074-18-0080. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu l'argent dans le passé et vous avez perdu. Vous avez perdu cet argent parce que à ce moment-là, vous n'étiez pas activé. À ce moment-là, ce pourquoi vous allez utiliser l'argent, ce n'était pas aligné avec le plan de Dieu. Maintenant, tu es passé par une saison que j'appellerais saison de désert peut-être. Et tu as compris. Maintenant, tu es prêt plus que jamais à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu restes peut-être comme ça, tu te dis, va dans tel orphelinat aujourd'hui. Tu tresses les enfants, tu te lèves, tu pars. Il te dit, va dans tel endroit, tu fais, tu te lèves, tu pars. Les kits sont disponibles au Burkina. On peut poster ça à Lomé. On vous envoie ça au Togo sans souci. Maintenant, comme tu es en train de. Tes oreilles sont en train de s'aiguiser à la voix de Dieu. Et Dieu ne peut pas te donner une position dans le spirituel tant que tu n'écoutes pas. Je sais que vous négligez beaucoup. Tu as prévu de voir un gars arriver en route à l'accident. Le gars n'était pas pour toi, mamie. T'as qu'à laisse-le partir. Tu te mets avec un homme, vous faites l'enfant, il meurt. Tu te mets avec un homme, il veut venir te doter, pam, il fait l'accident. Je ne sais pas quoi. Laisse-le. Pour le Burkina, tu commandes au Cameroun. Et puis on te donne ton numéro et te poste ça. Les choses sont déjà à Ouagadougou. Mais la dame qui a les choses à Ouagadougou, elle travaille. Je précise maintenant, tout pays où vous êtes, vous me voyez, commandez vos choses au Cameroun. Que ce soit Paris, que ce soit Belgique,
que ce soit, peu importe le pays d'où tu me regardes, si tu veux mes choses, mes produits, tu commandes au pays. Je n'ai pas de représentant. Je n'ai de représentant nulle part. Oubliez. Si vous ouvrez mon magasin, et mes magasins sont à Abidjan, à Douala et à Libreville. À part les trois pays-là, même la France, si à n'importe quoi que vous voulez faire, vous dites là le Cameroun. Ne dites plus avec aucun de ces pays. J'espère que vous avez compris. Maintenant, si vous voulez vous faire arnaquer, allez le faire ailleurs. Ça ne me dérange pas. Je ne peux pas, de toute façon, je peux pas vous empêcher de vous faire arnaquer. J'ai eu trop d'arnaques de la part des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, premièrement. J'ai eu trop d'arnaques de la part des personnes qui viennent en ligne, me voient, ils viennent émuler ce que je fais. Pour Abidjan, prends le numéro. Je donne les numéros maintenant. 07 pour Abidjan. Ça, c'est le numéro d'Abidjan que je donne. 07 79 02 52 05. Ça, c'est le numéro d'Abidjan. Vous commandez, peu importe là où vous êtes dans la ville, il y a une personne qui va vous envoyer ça par Yango. Vous recevez, vous payez juste le livreur. Vous payez sur Orange Money ou sur Wave. Pour les commandes de tous les autres pays, Suisse, Belgique, Allemagne, je dois donner parce qu'il faut que j'enseigne. Tous les autres pays, vous donnez, vous prenez le numéro 237 680 71 07 01. Ça, c'est le numéro du Cameroun. Au Cameroun, on a deux numéros. Il y a un anaqueur qui allait prendre un numéro qui ressemble à mon deuxième numéro camerounais. C'est pour ça que j'ai changé. Maintenant, je vous donne le numéro interne. Donc, 237 680 71 07 01. Utilisez ce numéro-là. Si tu es à Kinshasa, on va te poster les produits. Maintenant, pour Libreville, je suis à Libreville pour quelques jours. Donc, je suis là pour faire consultation. Prenez le package. Consultation, lavage, produit. Et si tu ne peux pas payer le tout en même temps, tu payes lavage et produit. Ne cherchez pas forcément à me parler. Lavage, produit. Je crois qu'il y a un forfait de 150 000 pour le lavage et produit. 150 000. Voilà. Pour le Cameroun, 600. Prenez vos notaires. Notez. C'est que je vais vous gronder même d'abord et vous insulter avant de donner le numéro. Alors, parfois, les gens spirituels, là, vous disent, oh, le Seigneur va me révéler les numéros dans le rêve. On donne, tu ne notes pas. Vous m'embêtez après. S'il vous plaît, vous devez update la boutique qu'on a en ligne sur TikTok, sur WhatsApp. Mettez tous les bijoux dans la boutique aujourd'hui. Merci. Donc le numéro du Cameroun, c'est le 680 71 07 01. Bon, je vais continuer le message que j'avais pour les... Beaucoup d'entre nous, on est en train de s'activer pour activer les autres. Supposons que quelqu'un est censé être capitaine dans l'armée. L'armée spirituelle des choisis. Et il n'est pas dans ses fonctions parce qu'il est bloqué dans un mariage avec une femme qui suce tout son argent, son énergie. Il est bloqué peut-être avec une femme avec qui il n'était pas censé être. Elle lui a donné des enfants qui sont malades. Ça le stresse, ça le bloque. Des enfants qui sont très têtus. Parce qu'on ne doit pas, tu ne dois pas mélanger ta sémence avec n'importe qui. C'est avant-hier que j'ai appris l'autre là. En tant que choisi, on ne fait pas l'enfant avec n'importe qui. Il y a des envoyés du diable qui viennent à ta vie. Ils te font des enfants qui te font des problèmes toute leur vie. Des petits démons. Voilà, son père lui-même là, c'est un démon. Il vient salir ta lignée. Ne blaguez pas avec ces affaires-là. Si tu fais les bains, rien ne change, ne fais plus. Tu as compris? Ne fais plus. Quand il vous demande de faire le lavage au sel, je vous dis que ça ne marche pas après un bout de temps. Arrête de me suivre, arrête les bains. Ok? C'est bon, non, ma chérie? Voilà. Donc, si tu te désabonnes, c'est bon, tu peux partir. Ce n'est pas pour tout le monde. Désabonne-toi, tu quittes. Tu pars.
Change de page, c'est bon. Voilà. Il y a des personnes qui sont bloquées dans des matrices où vos dons sont sucés. Tu te couches sur le lit avec l'homme là, la nuit, on te suce. Tu te réveilles le matin, tu sens comme s'il y a des trucs qui bougent dans ton corps. Tu ne sais pas ce qui se passe. J'ai toujours su que j'ai les dons. Je sais que... Mais... Tu ne sais même pas le mais. Tu ne sais pas. Soyez très vigilant. Maintenant, tu prends les produits, ça t'active. Toi, maintenant, tu commences à aider les gens. Beaucoup d'entre vous, quand je vous lis... C'est pour ça que je ne vous pressez pas pour venir me voir. Je ne vais même pas appeler ça. Je dis encore, ce n'est même pas une consultation, c'est une conversation. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas prêts à parler avec moi. You're not ready. Parce qu'il y a des choses qui vont te révéler sur toi. Tu vas commencer à dire que peut-être j'ai même volé. J'ai été arnaqué. Parce que ton esprit n'est pas prêt pour recevoir ce que j'ai à te dire de toi. Et il y en a parmi vous, you're joking too much. You're just joking too much. You're not serious. Vous n'êtes pas sérieux. Vous prenez toi la légère. J'ai rêvé dans la nuit que quelqu'un me piquait, me poignardait. Tu as fait quoi? Ah, je me suis seulement levé, j'ai dit au nom de Jésus, je chasse. C'est tout. C'est tout, hein? J'ai rêvé que quelqu'un me... Ah, je n'ai moi rien fait. Bonjour, monsieur, la voix autorisée. Je sais que les enfants de lumière sont attaqués. Mais c'est vous-même qui cherchez. Tu pars dans un pays. Dieu te dit, reste en Afrique. Que je veux partir en Beng. Tu te retrouves dans un cycle de mensonges parce que tu veux demander l'asile. Tu te retrouves dans un cycle de mensonges. Bah, tu veux demander l'asile. Tu te retrouves là-bas, on te suce ton énergie. On te suce ton énergie. Tu es opprimé, tu ne sais pas pourquoi. Ne vous dérangez pas, je bloque qui est nécessaire dans mes commentaires. Je vous bloque. Ma main n'est pas... J'ai le poing, j'ai le pouce bien actif. Mon pouce est actif. Je vous bloque. TikTok, attendez un peu, je bloque quelques personnes. Vous prenez trop les choses à la légère. Tu es bloqué là-bas en Europe. Tu sais ce que ça te coûte d'aller mentir. Un agent de lumière ne peut. Il y a un jour qui ne peut pas sortir de ta bouche. On opère dans le spirituel avec la bouche. La parole. C'est pas pour rien qu'ils vont venir te faire mentir. Oh. Peu importe ce que vous me dites. Hein. Non, tu sais, je dois faire comme ça pour qu'on me donne les chaos, le nom. Tu sais, après, je vais me repentir. Tu n'es plus arrivé au degré où tu dois encore mentir. J'ai envie de vous gronder jusqu'à... Pas, tu fais la première interview, tu mens. Quand tu mens, tu sens comment la vertu sort de ton corps. Tu sens comment ton pouvoir part quand tu mens. Tu sors de là, ça te prend encore 4 heures de temps ou bien 4 mois, je dis même quoi. 4 mois. Pourquoi tu reviens à quoi, toi? Un agent de lumière, tu peux te lever, tu peux rêver la nuit. Tu te lèves, les esprits te disent prie. Décrète qu'il y aura la paix dans le Gabon. Quand ta bouche s'ouvre, dès que tu parles, pouf, ils prennent pas à te faire avec.
Te voilà. Parce que tu vas avoir le petit papier pour qu'on te permette de travailler 40 heures. Tu manques le tout si on te dit, madame, on n'avait pas bien enregistré l'interview. Revenez encore. Dis que tu prends le donne-moi tout, tu mets. Quand je parle, quand je manque, qui comprend mon mensonge? Tu es folle. Tu es folle. Je dois vous dire vos vérités ce matin. Ça fait mal, non? Je dois dire. Beaucoup d'entre vous avez donné votre pouvoir parce que vous mentez. You're lying on a constant basis. C'est pour ça que ceux d'entre vous, quand vous tombez sur mes vidéos, vous commencez à faire mes choses, ce que je vous dis. En peu de temps, ta vie, pouf! Parce qu'il y avait déjà la vérité. Moi, on m'a envoyé pour activer les agents de lumière qui sont dans la vérité. Tu vois, Wanda, mais attends, je fais seulement le sel depuis une semaine. J'ai reçu telle chose, j'ai reçu telle chose. Ah. Tu t'es parti mentir, tu as déposé un papier depuis 8 ans. Tu attends qu'on te donne depuis. Tu attends ton séjour, de ton titre de permanence là. 10 ans. Présidence permanence. Permanente, pardon. C'est vous qui cherchez les papiers là-bas en Bain. C'est vous qui connaissez. Moi, je ne suis pas moi en Bain. Je suis au Cameroun. Souvent, je suis à Libreville, souvent, je suis à Abidjan. Oui. On ne donne pas. Parce que tu mens. Tu mens. Non seulement tu mens. Écoutez, hein, le diable maîtrise le système. Nous, on ne commande pas la parole. On ne ment pas la parole. On trompe les gens par la parole. On délivre les gens par... On demande ce qu'on veut dans le spirituel par... On prie par la... Tomber toujours dans les pièges des démons. Tomber toujours dans le piège. La Bible dit que Dieu était avec Samuel. Aucune parole de Samuel ne tombait au sol. None of his words could fall. Because everything he was saying, God was backing him up. Dieu assurait ses arrières. Beaucoup d'agents de lumière, vous êtes malades parce que vous vivez dans le mensonge. Votre corps ne supporte pas. Tu as une relation avec le gars là, tu es malade tout le temps. Tu sais que c'est un menteur. Toi-même, tu rentres dans son mensonge. Vous mentez, vous volez les gens. Vous volez les gens. Vous escroquez les gens ensemble. Vous êtes ensemble bien. Lui, ça passe. Mais comme toi, tu as une destinée plus grande, ça ne va pas. Tu es malade. Bizarre, les boutons sautent sur ton visage. Commence à vivre dans la vérité. Tu es devenue belle. Wow, souvent, je ne sais pas ce que vous me voulez. Vous m'inspirez souvent et Wanda d'où ça sort. Il y a des relations que tu commences avec un homme. Tu sais qui ment. Ah, je vais faire comment? C'est le père de mes enfants, non? Ah, je suis resté trop long. On va me voir une femme avec 3 enfants célibataires, ouais. Comment ça, mamie? Ton argent descend. Ta puissance diminue. Tu deviens pâle, bizarre. Toute l'énergie que tu avais là, ça part. Certains parmi vous, les hommes là vous cherchent parce qu'ils savent que vous avez une lumière en vous. Une fille est venue aussi à Abidjan l'autre jour pour que je la consulte. Moi, je ne l'ai pas consultée. Il y avait un esprit de serpent sur elle là, terrible. Terrible. Déjà pour qu'elle vienne. Avant qu'elle. Parce que quand j'ai rendez-vous avec vous là, vos esprits là arrivent ici avant que vous-même vous n'arrivez physiquement. Maman. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, quand elle arrive à l'eau, donc, il voit un peu comme si vous allez entendre la vibration ici, là, non. Okay. Avant que tu n'arrives, voici comment il sent ça. Vous sentez? C'est très peu, on n'entend pas, non. Quand tu te rapproches, ça fait. Quand tu es devant moi, ça fait. Mamma mia! La fille est devant moi, elle sent le serpent, la suède. Que pardon, consulte-moi, j'ai dit, mamie, tu te laves avec le sel.
J'ai eu l'idée l'autre jour que je vais faire les bouteilles Tanguy. Je vous assure. Je vais faire l'eau de lavage, je vais mettre dans les bouteilles Tanguy, je vais vendre comme ça. Donc tu viens, tu portes l'eau de lavage déjà prête. Parce que je suis dépassée sur vos excuses de lavage. Je vais faire les lavages déjà prêts. Tu prends, tu mets ça sur toi. Je sors les produits chaque jour. Voilà les nouveaux produits qui arrivent. Ce sera disponible que dans mes magasins. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Parce qu'il va te poster 6 litres de Tanguy. Hey! Je dépose les cartes. Je lui dis, tu es en relation avec qui? Oui, je sors avec un ministre là. Je sais qu'il me suit, je sais, mais je veux partir. Et lui-même, il me dit que je lui fais du bien. Il dit, voilà. Voilà, maman. Oh, yang, donc voilà. Prends les produits, va te laver. Va te laver. Beaucoup d'entre vous, pour le confort matériel, vous êtes avec des personnes qui puisent. Donc l'homme là, quand il sait que quand il vient l'entre, il sort de toi comme ça. Ce n'est pas parce que tu ne te connais pas que l'homme là ne te connaît pas. Il y a les hommes qui sont formés pour reconnaître la lumière des femmes. Il s'est initié pour connaître les. Souvent, il te dit, je ne sais pas, mais j'aime être avec toi. Quand je suis avec toi, il me sent bien. Hein? Quand je suis avec toi, je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens bien. Quand il vient te voir, mes choses marchent. Et quand il te dit, tu fais tout comme tu es bête. Je vais faire l'application qui gifle les gens sur le téléphone. Tu me suis un jour comme ça, là, tu sens une gifle sur toi. Bah, tu dis que c'est quoi ça? Que ta bêtise, là, j'ai enlevé ça avec un coup de. Une gifle. Une belle fille, belle, belle. Est-ce que cela va valoir le sel? Je te suis. J'ai vu deux comme ça à l'aéroport hier. Yeah. Je te suis, c'est tic-tac. On va prendre la photo. Tu te laves avec le sel. Les filles là ont fait 4 heures de temps pour remplir leur carte. Tu vois la carte d'embarquement qu'on fait au Cameroun. Je dis que vous voilà. Les dons, les pouvoirs sont pleins sur vous. Vous n'en faites rien. Si on check, je suis sûr que tu as même 5 gars de côté là qui sucent bien ton énergie, qui te donnent leur part de lourdeur. Il y a même 2 serpents qu'on a déposés sur toi. Tu es là. Les gens me disent souvent que je suis trop sérieuse. Parce qu'ils prennent mon travail au sérieux. Le jour où ma vie a changé, je me suis levée, j'ai compris qu'il y a les gens qui dépendent de moi. Literally, people are depending on me. The words that will come out of my mouth. J'ai des paroles qui vont sortir de ma bouche que les gens vont écouter, ça va les délivrer. Tu penses qu'ils vont m'amuser avec moi? Tu vas te laisser, je vais entrer dans ma vie, tu vas faire nini comme ça là? Non. F you. F you, my brother. F you plus plus, my brother. I will F you plus plus. Depuis que je suis née jusqu'à ce jour. Attendez, je cherche quelque chose.
Appelle son nom, il est là. Super, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire là-bas. On peut continuer. Je sais que c'est un peu difficile pour certains d'entre vous de vous dire. J'ai quelque chose. Je porte quelque chose. Et c'est ça justement que l'ennemi veut. Parfois, tu sors avec un homme comme ça, il connaît ta lumière. Il ne veut pas que d'autres personnes profitent de ta lumière. Tu lui dis non, j'avais des dons. Hein. Vraiment, à un moment, je voyais Jésus, j'avais des apparitions. Dieu m'a dit que je suis appelé à aider les gens, à prêcher, à guérir les gens. Ah non, laisse ça. Je vais t'ouvrir une boutique, tu vas gérer. Vraiment, je vais te. Comme tu voulais tellement le mariage. Je veux qu'on pense que je suis madame. Je suis madame telle. Monsieur Xavier, quand tu vas recevoir mes produits, ceux qui sont spirituels et connectés, quand vous touchez à mes produits, vous savez. Quand vous utilisez, vous sentez la différence. Maintenant, moi, je veux que chacun d'entre vous fasse sa part. Il y en a ici, ce que je fais là, vous êtes censé faire ça. Et vous dormez derrière votre caméra tous les jours. Vous dormez. Mes cheveux peuvent déjà faire des matobas. Hein. Il faut que je ne te fasse des matobas. Je ne sais pas si ma collaboratrice va venir me chercher une minute. Je vais voir. Depuis que je suis née. Bonjour. Comment vous allez? Je viens d'écrire à monsieur pour lui dire que mon collaborateur va venir me chercher à 10 h. Donc merci beaucoup. Non, j'ai déjà encore la position du GPS. Vous êtes très jolie. Bonne journée. D'accord. Bon, la lumière, on va la chercher après. Appelle son nom, il est là. Le numéro d'Abidjan, c'est le 07 79 02 52 05. Zéro 07 79 02 52 05. Bonjour, la reine Elsa. La reine Coco, merci. Non, elle est très jolie. C'est mon hôte ici, là. C'est la femme de mon hôte. Ils ont un beau domaine ici à Libreville. Franchement, le coin où je suis actuellement, c'est super beau. Franchement, c'est trop beau. Il y a des coqs, il y a des poules le matin là qui chantent, je ne sais pas trop. Ils font les coqs, 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 coqs. Les coqs ont déjà chanté, mais il y a des poules qui sont en train de. Celles qui veulent pondre des œufs là. Et ils ont fait les maisons des invités. On peut dire à environ 500 mètres de 500 mètres de leur domaine. Donc, on a notre coin à nous ici. C'est super beau, franchement. Bonjour, Albert de Lomé. Oui, je suis à Libreville. Je serai à Louis tout à l'heure. Je suis logé à Kanda. C'est très, très beau, franchement.
J'ai toujours, j'étais un an à Libreville, je ne savais pas qu'Akana était beau comme ça. Mais franchement, I really like it. Continuons. Bijoux, ça me fait plaisir que ça te plaise, que ce que j'enseigne te plaise. Donc, on continue. J'étais en Côte d'Ivoire, oui, ça fait 4 jours. Après, j'étais au Cameroun. Après, je suis venu ici. Si tu fais le don de sel, tu te sens mal. Arrête de faire. As-tu Akanda? Ah, c'est super. Akanda est très beau. Parce que c'est en construction. Donc, franchement, je sais, je n'ai même rien à dire. Si quand je suis arrivé à Libreville, je connaissais Akanda, je pense que je serais venu m'installer ici direct. Like, you know, straight away. Mais tu dois avoir la voiture. Quand tu n'as pas la voiture, c'est compliqué. Déjà, au centre-ville, les voitures, les taxis crânent. Combien de fois quand tu te retrouves un peu éloigné là? Oui, vous avez besoin de moi au Bénin. Je vais venir. Je vais faire Burkina, Bénin. Je viendrai. OK. OK. Ruth, tu as reçu tes produits. Oui. Comment ça faire? Il y a le kit fondation. Quand tu fais le kit fondation, tu peux prendre le kit désenvoûtement. Le kit désenvoûtement est costaud. C'est vraiment, c'est l'un le plus cher. Le kit désenvoûtement est plus cher que le kit commerce. Ceux qui ont déjà touché, c'est long. Vous savez quoi? Attendez, je vais chercher, je vais vous montrer en même temps. Comme ça. Depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un ou appelle son nom, il est là. Ah. Tu as besoin de lui. Bon, je vais vous montrer. Donc voilà le kit fondation. Il est là. Je vais aller faire ma manicure aujourd'hui. Les gens allaient mes ongles l'autre jour. Donc, j'étais au village, j'ai fait les trucs avec l'huile rouge, ça salit mes ongles, j'ai enlevé. Donc, regardez le kit fondation. Le kit fondation, malédiction générationnelle, blocage familial, tu répètes les mêmes choses que ta mère, ton père faisait, tu tournes en rond. Commence par le kit. Donc mes kits contiennent, voilà le sel, il y a le sel jaune, il y a le sel rouge, il y a le sel arc-en-ciel aussi. Voilà le sel arc-en-ciel. Il y a des courries dedans, je crois qu'on va ajouter peut-être la quantité des courries qu'on vous donne. Ce kit contient tout. Guylaine, si tu as reçu le kit fondation, la vidéo est sur YouTube. Tu me suis, non? Il y a même une Vierge Marie dedans. Il y a une petite Vierge Marie. Il y a l'antipoison dedans. Il y a de l'eau bénite. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Malédiction générationnelle. Blocage venant de ton père, venant de ta mère. Syndrome de non-accomplissement. Donc, les prix de ce kit varient. À Paris, si tu es à Paris, même c'est 170 euros. Si tu es hors de Paris, 170 euros. 175 maximum. Maintenant, si tu es en Belgique, les autres pays d'à côté, là, 100, 180. Parce que la poste prend plus d'argent que ça. Voici le kit chocolat. Je vous avais promis le kit chocolat, non? Je suis d'accord pour monter les coris et le pendentif. Oui. On va faire ça. Bon, voici le kit chocolat. Je vous avais promis le kit chocolat. Vraiment, je dois faire un big up à mes employés. J'ai des employés, elles sont en or. Je sais que vous me regardez, je vous fais des bisous. Voilà. Oui, parfois c'est Saint-Michel, parfois c'est la maman Marie, la madre. Donc voilà le kit chocolat. Difficile. Hein? On s'est mis ensemble, on a fabriqué le kit ensemble. Donc j'ai encore deux, trois trucs, deux touches finales qu'il va ajouter à ce kit. Mais il est là.
les filles qui veulent trouver l'homme là. Je vais ajouter des choses dedans pour faire que quand il vient, il cale. Ça, ça avait son consentement. Parce que je me suis rendu compte que parfois tu rencontres ton Dieu, non. Il t'aime, il est bien, bien avec toi. Après, quelqu'un vient. Parfois c'est sa mère. Wow. Tous mes kits, c'est à partir de 80 000 au Gabon. Gabon et Côte d'Ivoire. Cameroun, 65 000 à mon temps. Je n'ai plus de kit de 55 000. Ok, on continue. Donc, il vient au départ, il t'aime bien. Il te donne tout ce que tu veux. Ouais, il fait ce que tu veux. 2 mois plus tard, une personne entre. Peut-être sa mère, sa soeur, je sais pas. Dès qu'elle te rencontre, pourquoi tu es trop gentil avec elle? Pourquoi tu l'aimes trop? Pourquoi? Et c'est comme ça. Pour Brazzaville, je pense que ça va faire 85 000. Parce qu'on poste les choses chez vous là-bas à 20 000 à Brazzaville. Donc c'est 65 000 au Cameroun. On poste à 20 000. Donc tu payes 85 000 francs CFA. En dollars, 85 000, c'est peut-être 145 dollars. OK? Donc, le kit chocolat, si je l'ai conçu pour que le monsieur vienne, il cale. Tu l'attires d'abord, donc. Dès qu'il te localise. Hein? Je pense qu'à ce qui tu dois ajouter les choses que tu dois constamment faire pour maintenir votre flamme. Je me suis rendu compte que... Oui, on poste en Allemagne, Coco Lova. On poste. Il n'y a pas un pays où on ne poste pas. Vous savez que j'aime l'argent, non? Tu ne peux pas me dire que je suis au Kazakhstan, Azerbaïdjan. Je vais trouver le moyen d'envoyer chez toi. Même en Russie. Je me suis rendu compte qu'il y a des moments où ton chocolat est influencé par... Parfois, sa soeur, hein? Tu vois là que ça devient fort entre vous deux. Parfois, sa soeur est partie lui dire un truc sur toi. Que wow, wow, wow. Ah! Tu vois, ton chocolat commence à se comporter bizarrement. Le kit chocolat, tu le fais avec un chocolat frais. Ne partez pas chercher le chocolat qui t'a quitté depuis 5 ans là. Tu veux mettre sur ça. On envoie en Guyane anglaise. La mise, c'est comment? On envoie Guyane française, Guyane bajounaise, on envoie. Tu as compris? Oui. Tu vois que le chocolat est devenu mou. Ça a fondu. Ce n'est plus dur. Je vais te montrer comment mettre le congélateur. Donc, ceux qui vont commander le kit chocolat, là, il faut demander la partie 2 du kit chocolat. Je vais préparer ça. J'ai des produits que j'ai commandés qui sont en train d'arriver. Je pense que le kit... Je vais commencer à vendre des produits exotiques pour vous rendre constamment envoûtante. Je sais que les gens mal intentionnés ne viennent pas prendre mal ce qu'elle dit. Je vais commencer à vous vendre des choses qui vont vous rendre constamment envoûtante. Oui. Donc, tu es avec ton mari, après un moment, ça devient froid entre vous. Voilà, donc j'ai des révélations. Bon, le kit fertilité aussi arrive. Parce que là, c'est hier que j'ai eu la confirmation des dernières choses que je dois ajouter là-dedans. L'année passée, j'en avais un, mais je ne maîtrisais pas trop tout ce qui se passait dedans. Donc maintenant, ça c'est pour les personnes qui ont eu d'affaires des avortements et depuis que vous n'arrivez pas à concevoir. Tu as déjà un enfant, tu n'arrives plus à concevoir l'enfant, il a 15 ans, 17 ans. C'est sur vous que je me penche. Donc, I'm coming, j'arrive. Hé, Noëlla, il n'y a pas les choses pour mettre dans la tête du poisson dedans. Moi, je ne dis pas l'autre là. Je dis toujours, on en voûte que celui qui a lui-même demandé. Ce qui est le tobas, c'est que quand tu fais, l'homme là lui-même dit que augmente le volume, non. Voilà, c'est ça. Donc, les choses qui vont faire que ta relation avec ton gars soit toujours bien. Je dis encore, ce n'est que quelqu'un qui a pris un engagement. C'est pour ça que je dis que les kits. Mes choses d'amour et tout ça là, n'utilisez ça que quand la personne est bien avec la personne, jusqu'à lui-même il s'est engagé. Il a dit que, oh bébé, je te veux. Pas le genre que, il avait une autre femme dans sa maison là-bas, bien, bien, bien. Tu commences à dire que, tu prends, tu fais, aime-moi. Il commence à fuir sa femme et ses enfants. Mm-mm. Ça, ce sont les produits pour les femmes de la maison. Vous me suivez? J'arrive sur vous, les dames. Les femmes mariées là, on va plus vous tenter. Les cheese avant vous, lis-le. Mm-hmm. Les cheese avant, lis-le. Tout l'argent qu'il donnait dehors là, il vient te trouver dedans avec. Il porte son salaire, il vient te donner. Il dit, bébé,
Ouais, tu sais que vraiment, tu es la mère de mes enfants. Hey, tu es la reine-mère, tu es la madre. Voilà, on m'a payé, voilà le salaire. Je sais pas. On fait comment? On fait comment? Je vais trouver un nom sur ça là que. Un nom terrible. Peut-être il va appeler ça quitte, obéis-moi. Quitte, obéis-moi. Yes. J'ai très longtemps été dégoûtée par le nombre de femmes qu'elle va te dire. À un moment, ça allait bien avec mon mari. Soudainement. Le mot soudainement, là, je ne sais pas d'où ça sort. Soudainement. Soudainement. Wanda. Wanda fout pas la main. On ne sait pas ce qui se passe. Tu n'as que tes larmes pour pleurer. Bonjour mes employés chéris. J'espère que vous avez bien dormi. S'il vous plaît, appelez la maman qui est au village. Elle doit aller payer la pension de 22 enfants. Donc vous multipliez, vous mettez. Vous multipliez. Elle doit aller payer la pension de certains enfants là-bas au village. Voilà, donc vous lui envoyez ça, s'il vous plaît. Et vous lui précisez que je veux qu'elle envoie les reçus de paiement, qu'elle paie les pensions. Chacun d'entre eux donne les reçus. Quelle responsabilité familiale, non, c'est trop. Non, stabilité de couple, non. Il faut un mot qui provoque, parce que quand tu écoutes ça, tu dis, hein? Hey, quitte, donne-moi tout, donne-moi en intégralité. Quitte, marche comme je veux. Wakala! Même quitte mon terminus, ça, c'est une bonne idée. Quitte mon terminus, yes, that's good. Ouais, les hommes, et je ne sais pas pourquoi les hommes. Je vais faire pour vous, les hommes, je vais faire. Pardonnez-moi, les hommes, je parle trop aux femmes. Quitte ton pied, mon pied. Je vois deux personnes qui ont dit ton pied, mon pied. Quitte, assieds-toi. Ah! Les femmes, vous avez les mots. Jesus is Lord. Vous-même là, vous n'êtes pas simple. Quitte cadenas. Il y a les mots là-bas assez forts que je. Il y a les mots forts que j'entends depuis là. Hi! Le quitte après moi, c'est le raven. Seigneur. Oh yes, Seigneur. Non, quitte de paix, non, ton nom là est trop pacifique. Ça va être le genre, le kit de dernier recours. Quand on veut un peu déranger le mariage d'une femme comme ça, elle prend ça. Elle met la clé comme ça, tchac-tchac. Toutes ses belles soeurs là fuient la maison. Vous n'avez pas vivre chez elle, pourquoi? Ah, quitte, je te tiens. Et je rappelle que tu tiens la personne avec son consentement. C'est pour ça que le kit là, c'est un dolet. Quand. Le dollar est au top. Quand c'est moi, c'est là que tous les trucs tu mets, tu fais cadenas, tchak, tu fermes, cadenas, tchak, tu fermes, cadenas, tchak, tu fermes. C'est bon. Je vois deux personnes commenter quitte collé serré, quitte barré collé. Quitte collé serré. D'accord, vous aimez les choses comme obéis-moi. L'autre est intéressant, hein. Quitte obéis-moi. Je vais noter ça. J'aime les mots qui dérangent un peu la baraque comme ça là. En passant, quand vous commandez les produits, si vous savez que vous êtes dans une maison où votre mari va déranger, si jamais il voit, s'il vous plaît, quand vous recevez les produits, changez les boîtes. OK? Marche comme je veux. Le nom là me plaît. Ou bien qu'il bénit, oui. Non, qu'il marche comme je veux. Marche comme je veux. Je tiens mon mari. Certaines personnes ne seront pas mariées et vont vouloir prendre le kit. Donc, kit marche comme je veux.
Non, quitte femme de lumière. Non, c'est trop doux. Quand on dit qu'on est femme de lumière, les gens croient qu'on est trop gentil. Les agents de lumière ne sont pas toujours gentils, hein. Très strict, très rigoureux. Quand ils font le retour à l'envoyeur, les gens meurent. Tu parles de quoi? Mes chers employés, bonjour. Bon, je suis en direct, j'ai une idée de faire... vous allez faire... commencer à cotiser les bouteilles de Tanguy, s'il vous plaît. Donc, j'ai en ville là-bas, les gens qui ont les, qui vendent les boissons, donc ils ont les bouteilles de Tanguy. Oui, même chez vous, là, non. Même chez moi, je bois l'eau Tanguy. Donc, cotisez-moi les bouteilles de Tanguy. On va faire les eaux de lavage. On va préparer les bains et on mettra dans les Tanguy pour vendre aux gens. Voilà. Donc, je vais vous donner la recette pour, de ce que vous allez composer. Comme ça, les gens savent que j'achète une palette d'eau. Vous achetez 1500 l'eau là-bas. Vous allez venir acheter même 1500 ou 2000. Vous déposez à la maison. Ça vous fait une semaine. OK. Mettez ça dans les produits à venir. Vous savez pourquoi je ne peux pas, je ne peux jamais avoir peur de perdre. Je ne peux jamais devenir pauvre. Moi, mes idées valent de l'or. Vous savez, tu as été avec un homme. Il a fait conseil, il a pris tes idées. Les hommes, les hommes ticons là. Il prend tes idées, pas avec. Ne te dérange pas, ma chérie. Assois-toi. Assois-toi, tu fais les idées. Et le Kichinda, yeah, Noëlla. Toi, c'est là. Kichinda. Hey, que j'ai mon chinda ici là. Oh my gosh. Bon. Je finis de vous montrer les kits. J'ai encore d'autres messages importants à vous montrer. J'ai montré le kit fondation, j'ai montré le kit chocolat. Pour le nom là, on va trouver. Et voilà le kit des envoûtements. Vous voyez la taille du kit de désenvoûtement. Vous voyez comment c'est grand. Je vais comparer au kit fondation. Voilà le kit fondation. Vous voyez. Voilà le kit fondation. Voilà le kit désenvoûtement. Vous voyez. L'autre ici. J'ai chargé. Si tu finis le kit désenvoûtement, c'est là. Les choses qu'il y avait dans ton corps là, tu vas check out. Un à un. Un à un. Non, moi, même, je suis fier de ce kit. Vraiment. I'm so proud. I'm so proud. Ça m'a coûté que 3 kilos. Les autres, c'est 2 kilos et demi. Tu que ça, ça 3 kilos et demi. Même. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous. Je travaille sur vous depuis 6 mois, 1 an. Et vous avez beaucoup de démons qui sont encore dans votre corps. Une de mes petites filles là, 3 de mes filles même, les deux derniers fouchent à le doigt là. Je dis, venez. Ce kit au Cameroun, c'est 75 000. En Côte d'Ivoire, c'est 90 000. Au Gabon, j'ai fait ça au Gabon, ma 95 000. La vie est trop chère au Gabon. Aïe! Il y a quoi dans ce kit? Mais je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans. Je te dis seulement ce que ça fait. Tu vas acheter, tu achètes. J'ai des septicons, j'ai des imitateurs sur ma page. Toi, j'ai même si tu vas acheter ma chose pour copier ta part, tu vas quand même me donner ton argent. Tu comprends, ma chérie? Tu as payé quand même. Voilà. Donc, moi, je montre plus ce qu'il met dans mes kits. Never. Je me suis rendu compte donc qu'il y avait beaucoup de mes filles que je travaille sur elles, ou bien elles me suivent, elles se lavent ou celles passivement. Elles ont acheté un kit, elles ont fait. Je me suis rendu compte que il y avait encore des choses dans leur corps. Donc, une dame, ça commence à voir la première, elle est venue des États-Unis pour me voir. Les choses que j'ai mis dans le kit, là, je prends ça. Le kit déblocage pour la Suisse, ça va te coûter 185 francs suisses. Vous appelez ça comme 185 euros. Je sais que le franc suisse et l'euro, c'est presque la même chose. 185. Le kit fondation. Donc, la dame arrive. Je commence. En fait, l'entité qui la bloquait, c'était le diable lui-même. Il a parlé. Parlé. Il dit comment il a bloqué son utérus. Comment elle était censée accoucher 3 enfants. Au premier enfant, elle a accouché, on a enlevé son utérus carrément. Et c'est une maman qui aime trop faire des dons dans les orphelinats. Donc, même si elle vit de son compte, elle aime tellement les enfants. Beaucoup d'entre vous
Même si vous avez perdu un enfant ou des enfants, on a retiré vos utérus et tout ça. Dieu t'a appelé à avoir beaucoup d'enfants. Pense à adopter, s'il te plaît. HK, merci. Kit Fondation au Burkina Faso, c'est 85 000. Kit Fondation Burkina. Les choses sont déjà à Ouagadougou. On a envoyé la semaine passée, c'est arrivé. Donc, tu payes au Cameroun. Ou bien tu écris au Cameroun, on te donne le numéro de paiement. Tu payes par Orange ou par Wave. Je crois que même Wave, à partir de Ouagadougou, ça passe en Côte d'Ivoire. Donc vous prenez le numéro de la Côte d'Ivoire. 225 pour la Côte d'Ivoire. 225 07 79 02 52 05. Pour le Mali, je crois que c'est aussi 85 000. On poste. Tu donnes d'abord le produit auquel tu es intéressé. Donc, le kit fondation au Mali, comme Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest. Quand ça arrive déjà dans un des pays, pour envoyer, c'est généralement 20 000. C'est pour ça que je vous donne toujours 85 000 environ. 85 000. Le numéro du Cameroun, c'est le 680. Donc, plus 237, 680, 71, 07, 01. Pour un jeune qui se cherche, commence par le kit fondation. Peu importe ton cas, prends d'abord le kit fondation. Enlève d'abord les malédictions générationnelles sur toi. Après, tu prends le kit déblocage. Ceux qui sont en train de faire le visa, peut-être, il y a le kit visa. Kit fondation, tu utilises pendant 7 jours, avec 7 jours de jeûne. Le reste des produits, maintenant, tu peux utiliser pour te laver avec constamment. Mais c'est d'abord 7 jours de travail. Parce que quand tu reçois un de mes kits, tu commences un travail. Le kit des envoûtements, tu l'utilises pendant 14 jours. Je ne donne pas le nouvel à Côte d'Ivoire. Je ne donne plus. Tu as compris? Faut chercher. Vous aimez trop ça. Je ne donne plus. On donne le numéro, vous ne retenez pas. Maintenant, vous venez déranger les gens. Pardon. Bon, je continue. Beaucoup d'entre vous, vous savez que vous êtes appelés à avoir beaucoup d'enfants. France, États-Unis, peu importe ton pays, écris sur le numéro du Cameroun. Tu payes, on te poste ça là-bas. Donc je ne veux plus que vous contactez. Dis-lui que je payerai pour 22 enfants. Elle m'a donné la liste de 22 enfants quand j'étais à Bafoussam hier. Donc dis-lui que je ne payerai que 22 enfants. Voilà. Et c'est le montant de la pension qu'elle m'avait dit. Donc elle n'augmente pas. Vous pensez même que quoi? Je vous parle du kit visa. Pour détacher les âmes, je n'ai pas de kit. Le numéro du Gabon, c'est le 074. 074. 18. 0080. Dolores, si tu prends le kit des envoûtements à la place du kit des blocages, oui, mais le kit des blocages à sa place. On prend le kit des envoûtements. Le kit des envoûtements, il est comme il est là. Il est. Si elle est tout dans ton ventre, là, ça va sortir. Je parlais de mes filles qui sont venues pour les envoûtements. Donc le démon là disait qu'il a bloqué la grossesse, ses grossesses. Et c'est une femme qui se sent très attirée par les orphelinats. Donc, je disais que si vous sentez en vous que vous avez ces blocages pour la conception, commencez à vous occuper des enfants. Voilà la rentrée, non. Chaque mois, tu peux prendre un budget, peut-être $50, $100 sur ton salaire. Tu cherches des enfants que tu parraines. Une deuxième, c'est celle-là, elle est très jeune. Elle est venue. Elle commence son travail. Il y a une entité qui s'est assise sur son argent et son voyage. Maman, elle a un mince corps comme ça. La fille là m'a essoufflé le jour là. Vous voyez comme elle est costaud de là, non?
Si tu tombes enceinte, ça sort. La prochaine fois, il faut venir me voir. Je travaille sur toi, prenez. Si tu n'es pas au Cameroun, je t'envoie les produits que tu utilises. Et je dois aussi bénir un truc que je te donne. Si vous me suivez et vous êtes enceinte, je vous en prie, précisez. Si je vous suis, si vous utilisez là mes produits, j'ai commencé à vous suivre spirituellement. Si tu es enceinte, il faut me dire. Parce qu'il y a les produits pour faire rester ta grossesse dans le ventre. Il y a les produits aussi pour protéger ta grossesse. Il y a même les produits que tu vas utiliser pour qu'on ne te voie même pas. Parce que dans le spirituel, quand tu tombes enceinte, il y a des gens qui te guettent. On m'a la main, ce fille-là. Jesus, it's Lord. Comment elle était bloquée? Elle a... Il dit qu'elle s'est débattue le jour-là. Même si comme ça, là, elle fait la force. Elle se débat. L'entité là commence à parler. Laisse-moi, laisse-moi. Il dit, waouh. L'homme est mauvais pour rien. L'homme est mauvais pour rien. Pour rien, l'homme te fait du mal. Si je paye l'école à un enfant de ma fille, ça compte comme dîme. Non. Quand tu as un problème spirituel, il faut partir, l'enfant l'a pris pour toi. C'est pour ça que je vous dis souvent, je fais souvent des semaines sans consulter. Parfois, il fait 2 semaines, je ne consulte pas. Parce que physiquement, j'ai des cas trop lourds qui viennent devant moi. Et quand je finis, je dois me reposer. Donc, vous avez remarqué que je ne fais plus les lectures de cartes depuis, non? Vous avez remarqué ça? Moi, je fonctionne avec les phases. La phase où on dit que fais l'autre, j'ai fait. Quand j'arrête, j'arrête. Donc, si quelqu'un vit un peu mal me parler là, je... Hier, je vois un jeune homme là, venant à peine d'atterrir à Libreville. Il écrit. Et on a dit, eh, vous prenez, vous commencez à prendre les gens pour des fous, pour des cons. Hein? Voilà, voilà. J'ai payé le... Je ne sais pas, voir même ce qu'il avait payé, c'était quoi, 40 000. Il dit, pardon, arrête ton venin là. Arrête le venin que tu as voulu verser cela. Donne le numéro, on te rembourse. Vite! Vite! Après, il dit, bye, adieu. On va te virer ton âne en 3 minutes. Adieu. Bye. Bloqué. Allez chercher les charlatans qui vont faire ce que vous voulez. Pas moi. Et maintenant, pour avoir un entretien avec vous, je vais m'assurer que vous avez au moins pris un de mes produits pour faire. Tu n'as pas fait, il ne te consulte pas. Vous allez venir ici là, regarder les vidéos que j'ai regardées. Parle-moi. Dis-moi. Commence ton travail. Il y a une autre aussi pareil, elle paye sa dîme tout le temps pour toi. Elle a apporté 3 kits. Elle est venue. Dès que je commence à travailler sur elle, son père parle. Son père qui la bloque depuis. Son père a volé son étoile, volé pour son fils à elle. Donc, il vole pour sa fille, pour son petit-fils. C'est avec ça qu'il a acheté tous ces terrains qu'il a là-bas, des 300 terrains. Et elle souffre. Dans la vraie vie, elle souffre. Et quand ces entités-là commencent à parler, leur voix change. Je vous ai parlé d'une jeune fille qui est venue l'autre jour, non? Sa mère l'a amenée chez moi, ça fait 1 mois et demi. La mère, là, hein, tu vois déjà les mères que c'est parce qu'elle m'a trop supplié. Si tu es perturbé en disant ton kit, que faire? Tu persistes seulement, non? Vous allez avoir des perturbations, bien même. J'ai des femmes qui ont acheté le kit, quand ça arrive, celui qui ouvre la porte pour recevoir, c'est son mari. Il prend, il jette dans la poubelle. Il part, il détruit, il jette dans le jardin de poubelle que ça, on ne peut même pas récupérer. Vous aurez des obstacles à vos choses. Parfois, l'autre mari voit, il écrit à toute la famille que c'est une sorte. Il filme, il envoie dans le groupe familial. Ah. J'ai les femmes qui, elles me racontent souvent leurs histoires comme ça. Je dis que les mariticones que vous avez là, il filme, il dit voilà la sorcellerie que votre fille fait maintenant. Et la personne qui te bloque est dans le groupe familial et voit qu'elle a commencé à acheter les produits pour se débloquer. Parce que généralement, c'est les gens de votre famille qui vous bloquent. Toi, mais ils t'exposent.
personne n'a pas encore vissé. Elle visse. Elle met le cadenas. Elle visse. Les semaines qui suivent, là, c'est grave. Dans le rêve, on te poursuit jusqu'à. Il manque des choses bizarres dans le rêve. Il y a une autre qui est arrivée. Quand sa mère a tellement marché derrière moi, comme je disais. Le jour sa mère l'a amenée pour la deuxième fois. La première fois, sa mère est venue avec elle. Je l'ai lavée passivement, je pense. Soit j'avais fait un lavage à distance, je pense. Je ne sais plus trop. Mais le jour où je commence à me rendre compte, où je commence à remarquer la fille, sa mère est venue avec elle un jour là. Et je crois même que les entités qui dérangent la fille étaient venues en avance dans mon bureau. J'ai eu trop de problèmes dans la journée. Je me dis, c'est quoi ça? Tout ce que j'avais prévu de faire ne marchait pas. Après, la mère me supplie que pardon. Lave ma fille, pardon. Et là, voilà, là-bas, vraiment, je ne sais pas. Et sa fille était là. Maman, sa fille regardait la mère. La fille avait une animosité surnaturelle pour sa mère. Elle détestait sa mère pour lui. Il te manque le lavage physique. Je suis au Gabon pour quelques jours. Si tu veux que je te lave physiquement, paye dans ton pays. Je serai à Abidjan bientôt. Je vous dis, paye en avance. Vous attendez toujours. Et je ne savais pas que tu étais là. Je suis quitté à Yaoundé l'autre jour. C'est là que les gens me disent que tu es venu à Yaoundé. Paye pour le pays où tu es. On va te mettre sur la liste. Quand j'arrive, on t'appelle. La mère me raconte donc ce que sa fille a subi depuis. Elle me raconte. Commence à laver la fille. Bam! Parce que il y a des trucs que je fais quand je travaille. L'esprit là commence. Ils me disent que demande-lui. Pose-lui des questions. C'est qui? Au départ, l'esprit voulait se cacher. Non, si tu as payé, tu es au Gabon, écris aujourd'hui, parce que je suis au Gabon. Je suis venu travailler sur les gens du Gabon. Si tu as payé, tu es à Libreville. Les trois prochains jours, je ne sais pas travailler sur toi, parce que tu l'as encore attendu même 3 semaines. Et je peux sortir encore du Gabon là en bloc. Parce que je devais revenir au Gabon depuis. J'avais écrit dans le groupe du Gabon depuis que je venais depuis l'autre jour. Mais c'est l'affaire des élections qui avait bloqué pour que je ne vienne pas. Parce qu'on avait fermé les frontières. Je viens en France bientôt. Je sais que vous m'attendez, je viens. Au sort. Il dit là avec les gens qui bloquent votre destinée là-bas en France. L'esprit là commence à parler, se cacher là au départ. Que non, nous on ne sait même pas pourquoi on la bloque. C'est les prières, c'est parce qu'elle prie trop. Elle prie trop. Elle prie trop. Je fais la première phase du travail. Maintenant on la met de l'autre côté pour l'autre phase. L'esprit commence maintenant à raconter tout. Je suis la sœur du père de cette fille. Donc c'est sa tante. Cette tante dit qu'elle a commencé à détester son frère parce que quand il a épousé sa femme, il a négligé elle, la sœur. Je ferai le tour de l'Europe, je vais vous annoncer, ne vous dérangez pas. Mais soyez prêts parce que je ne vais pas vous prévenir en avance, je ne dirai pas 3 mois en avance. Le travail que je fais est trop attaqué. Donc quand je viens à votre ville, je ne vous préviens généralement pas. Quand je viens à votre ville, je ne préviens pas. Parce que sachez que comme vous me voyez là, les forces du mal me voient aussi. Donc je ne peux pas me faire comme les grands coachs qui disent que je viens là-bas dans 3 mois. Ouais, je... Non. Enfin, le travail n'est pas comme ça. Je ne peux pas moi vous dire. Je vais seulement vous dire, après le matin, il vous dit que je suis dans telle ville. Celui qui est là-bas, si c'est son jour, il va me voir. Voilà. C'est aussi bien que vous allez me suivre. Comme on avait dit à Élisée que si tu suis, son maître lui a dit que si tu me vois quand il part, je vais te donner. Tu vas recevoir les pouvoirs que tu as demandés. Voilà. Le prix du lavage, c'est 50 000 francs, ma chérie. Je crois que c'est 85 €. La tante dit que ça l'a tellement énervé que le monsieur s'occupe tellement de sa femme et de ses enfants. Donc, elle est partie bloquer le monsieur et bloquer ses enfants. Et cette femme sur qui je travaillais, c'est sa mère qui l'a amenée. L'esprit explique que c'est parce que c'est
C'est parce que la mère de cette fille fait trop d'aumône. Parce qu'elle aide trop les gens. C'est ça qui sauve sa fille. Elle aide trop les gens. Elle aide trop les gens. Pourquoi? Deuxième chose, on dit que la propre fille là que j'ai tenté de délivrer, qu'elle-même là, elle prie trop. Salut les Ivoiriens! Comment vous allez? Je suis à Libreville pour quelques jours. Je suis venu make noise. Je suis venu make noise. Noise. Tell them to make noise. Pardon, laissez que les chants. Il n'y a pas changer de sujet. Je reste comme ça, la musique la chante dans ma tête. I'm telling you, my friends, to make noise. Je reste l'autre, je dis que yeah, la chanson là est dans ma tête. Et quand ça fait dans ma tête, je vois les images de celui qui tourne les reins comme ça. Oh non. Attendez, il faut que je devienne sérieuse. Sur une note plus sérieuse. Oh Seigneur. De rien. Merci. On n'est pas seulement 15, il y a au moins 50 personnes, je t'ai dit. Parfois, je m'assois, je suis dans une salle avec 50 personnes. Chacun vient, il s'assoit, il parle. Chacun vient, il s'assoit, il parle sa part. Je parle seulement. Voilà. Donc, l'esprit continue et il dit, cette fille, on l'a empêchée d'accoucher. Avec noise. On l'a empêché d'accoucher. I want to make noise. Je vous dis, c'est quoi? Faut devenir sérieux. On revient. Donc, n'est-ce pas? On expliquait. L'esprit dit que la première grossesse de cette femme-là, on a volé. Et je crois 2 ou 3 mois avant qu'elle vienne me voir, elle avait fait une fausse couche. Elle avait des jumeaux. Quand elle travaillait sur elle, était évasive, fatiguée. J'ai fini, elle est rentrée. J'ai donné sa mère, après un kit aussi. J'aime faire, je te consulte, je te délivre et je te donne les produits. Parce que c'est complet. Donc, je l'ai dit, quand je suis en Côte d'Ivoire, c'est vraiment 210 ou 220 000. Parce que souvent, je donne aussi le bracelet de protection là, je donne le bracelet. Au Gabon, ce sera 220 000 pour tout ça ensemble. Donc, la maman rentre à la maison avec sa fille. L'autre jour, elle revient. Maman, la jeune fille que j'ai délivrée là, elle ouatise. Je ne savais pas qu'elle ouatise. Le jour là, elle parlait comme une bamou, comme une cougnard du village là. Hein? Allô? Oui, bonjour. Ah oui, bonjour papa Nkoti, comment vous allez? Très très bien, merci. Laquelle? C'est... Ah, il n'a plus pris. Oui. Donc, elle, c'est combien finalement? Parce qu'au départ, c'était 850, après, on m'a dit que c'était 900. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Je vous fais confiance. Ok, pas de souci.
Donc, je vais donc relancer, parce que je ne décide pas seule, j'ai quelqu'un qui va s'occuper des travaux et tout ça là. Donc, je vais le relancer. Et puis, je vous fais signe vers 14h aujourd'hui. Merci. Bonne journée à vous. Il y a un endroit que je voulais depuis là. D'accord, donne-moi ton adresse à nouveau. On va t'envoyer le kit. Ton adresse et ton nom. Est-ce que tu vis dans Paris? Si tu es à Paris, tu peux l'avoir plus rapidement possible. On vient de prendre le kit commerce. Oui, contacte les personnes pour le Gabon. Tu me donnes leur numéro. Les secrétaires d'ici vont les appeler aujourd'hui. Bon. Est-ce que vous savez que la femme là, elle Watisse? Quand elle était venue la dernière fois, elle était envoûtée là. Et comme ça. Quand ça me parle, tu veux même quoi? Laisse-moi. Elle est venue dans mon bureau. C'est parce que je ne peux pas prendre les vidéos des gens, je ne peux pas les enregistrer. Quand je te désenvoûte, parfois j'enregistre et j'envoie à ta mère ou bien. Mais je ne mets pas généralement les scènes de toi, je ne mets pas ça. Maman, elle arrivait s'asseoir. Oui, franchement, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à ma mère que voilà. Après, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelée. J'ai dit, quand elle est venue parler, je la regardais seulement. Hey! Elle a commencé à devenir belle. Vous savez que souvent les démons la font, tu te négliges, tu deviens comme une Joussa. Ouais, j'ai envie de pleurer. Oh Seigneur, les gens sont méchants. Comme on voit comme ça, là, j'ai souffert dans ma vie. Non, mon téléphone est sur le power bank. Je décroche que le power bank. J'ai des périodes de ma vie où j'étais méconnaissable. Et je reste en bain comme ça, je tape 7 ans sans papier. Je souffre avec l'enfant. Je souffre avec l'enfant. Souvent, je regarde mon enfant comme ça, il dit que vraiment, Seigneur, je vais faire comment avec l'enfant? Tu as un peu d'argent comme ça. Si ce n'est pas un faux dragueur qui vient, il prend ton argent. Tu as investi dans quelque chose, ça part. Tu peux avoir tout ton argent, c'est que ça part que sur les papiers. Tu payes l'avocat, tu payes l'avocat, tu payes le manioc, même tu mets au-dessus. L'avocat ne suit pas bien ta procédure. Quand vu l'enfant là, la femme là est. Oh. Et elle venait m'annoncer que elle a une opportunité pour partir au Canada. Seigneur, Seigneur. You're not a man, oh. You're the God who answers prayers, no one like you. You're not a man, no. Je sais que vous souffrez, je sais. N'abandonnez pas vos prières, n'abandonnez pas vos jeûnes. Je vous dis. La maman là me disait qu'elle était fatiguée. Père là, tu dis que je suis fatiguée. La tête te bloque. Ne venez pas mettre vos bêtises là sur moi. Hein. Que tu as l'air fatiguée, que Dieu m'aide. Hey! Une pauvre qui prie pour moi. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Hey! God forbid. God forbid. Moi, ma gueule là sort beaucoup, hein. Ma gueule là, ma bouche là, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Tu as l'air. Hey, Seigneur Dieu.
La maman, là, je m'appelle le premier jour qu'elle est venue. Elle me dit, j'ai hâte de penser sur ma fille. Un homme est venu l'épouser, l'a abandonné au Cameroun, il est parti. Lui-même, il est bloqué aux États-Unis. Il a essayé de tout faire pour qu'elle vienne, elle n'arrive pas. La voilà. Que la voilà. Et devant moi, elle parle, sa fille l'insulte. L'autre jour, hier, la fille elle me disait que c'est pas hier, elle est venue, ça fait peut-être le 2, le jour où j'ai reçu les gens à ma Kepel. Elle me dit qu'avant, je détestais ma mère, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ma mère m'énervait. Donc la semaine, normalement, la semaine, cette semaine-ci, elle est censée rentrer à l'ambassade. Je sais que vous êtes là, vous n'êtes pas... Je pense que c'est ma compassion qui fait que Dieu me permet souvent d'aider les gens. Parce que j'ai tellement souffert que je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La mère, elle, là, tu la vois, c'est même pas comme si elle s'en sort trop. C'est pas comme si... Je crois que ça doit être une commerçante comme ça, elle a petit, un petit magasin au marché, elle vend un peu. Mais le peu d'argent qu'elle a, elle dit que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas prendre ma fille. Vous n'allez pas rester avec mon enfant. Il dit que quand j'ai vu sa fille, elle s'est assise devant moi, elle a parlé. Je te dis qu'ils ont fait peut-être 15 minutes dans mon bureau. Je n'ai rien dit. Il écoutait sa voix. Elle wattisait. Elle parlait de ses projets. Puis, j'ai dit, waouh. Donc, on peut bloquer l'enfant de quelqu'un comme ça. D'ailleurs, ça a un mois, l'enfant, c'était une épave. Elle était une épave. Là, voilà aujourd'hui. Dieu ne peut pas vous abandonner. Et s'il y a une chose que le diable n'aime pas, les personnes qui prient, les personnes qui jeûnent. Le diable n'aime pas les gens qui sont connectés à Dieu. Parce que tu restes comme ça, là, ça fait 10 ans que tu n'as pas les papiers. Tu es là, tu pries toujours. Tu jeûnes. Que Seigneur délivre-moi. Hey! Quand le démon là parle, elle prie trop. Elle prie trop. Vraiment, elle prie trop. Priez que sauf. Ils vont lire l'heure sur vous. Ils vont lire l'heure sur vous. Je déclare que tout démon qui était dans ton corps qui t'embêtait. De que ta prière là va te délivrer au nom de Jésus. Les quintes de tout ça, c'est tu n'as pas le kit des envoûtements, tu as les choses dans le tout dans ton oesophage. Avant j'avais les tout là en désordre. Souvent j'arrive dans une salle comme ça, je stresse. Je commence à pousser, je tousse, je sors et pas vomi seulement. Tu viens de manger tout ce que j'ai vomi, j'ai mangé à sortir. Oui, la viande que vous avez, qu'on a apportée là, oui, ça vient du village. Donc, tu vas diviser, il faut diviser. Vous donnez 1 kilo de viande à chaque employé. Une partie, ça va aller, vous allez partir donner ça à l'orphelinat cœur de Jésus. Et puis, vous mettez le reste dans mon congélateur, s'il vous plaît. Oui. Découpez ça, vous faites des sachets de viande, vous mettez au congélateur. Je crois que c'est 2 cartons de bœuf, oui. Donc, divisez ça.
Je vais augmenter 10 000 francs sur l'argent que je suis censé te donner. Ça, c'est le mieux que je puisse faire. Voilà. Attendez, je gère deux personnes ici, là. Miss John, quand tu prends les détails des personnes, je crois qu'il y a une dame ici dans le direct qui vient de payer le kit fondation. Prends leur numéro et tu l'as écrit sur WhatsApp. Tu l'as écrit sur WhatsApp. Donc, il faut envoyer la commande pour qu'on paye, pour qu'on poste ça en Suisse. Deuxième chose, quand on poste, vous lui envoyez le bordereau d'envoi pour qu'elle suive son colis. Si tu ressens des brûlures à cause du thé, il faut manger. Mange un peu, ne le prends pas à jeun. Mais n'arrête pas, parce que toi, là, ton cas, il y a beaucoup de trucs dans ton corps qui doivent sortir. Donc, le kit de désenvoûtement, là, menace beaucoup. Mais n'arrête pas. Celle-là que tu as trouvée, il faut brûler ça. Verse le sel dessus et tu brûles. La souris, là, celle que tu as trouvée là-bas chez toi en Allemagne, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne signe. Et le sel maison hantée, là, il faut verser ça aussi. Verse encore. Je ne sais pas si tu as pris soin de moi quand j'étais au pays. Je te demande de prendre ce produit-là. Donc, tu vas verser ça dans ton chantier là-bas en Allemagne. Très important. Je vais commencer à vous donner des conseils. Je vais t'envoyer les messages. Bon, je pense que je donne les instructions à tout le monde. Avant de donner l'argent, là, vous prenez les factures de l'essence, du carburant, et vous vérifiez les factures de carburant qu'il va vous montrer. Voilà. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Ok. Je reviens à ce que je disais dans le direct. Oui, vous cherchez le fruit de l'entraille. Contacte-moi, ma chérie. Tu as rêvé que tu étais avec moi. Quand tu rêves de moi, il faut écrire sur mon téléphone. La secrétaire va m'envoyer le message. Si c'est une signification avec quelque chose que je dois faire sur toi, je vais te contacter. Je me parlais, te parler de mes enfants. Mais le problème, c'est que j'ai avec vous, c'est que parfois vous me suivez, vous rêvez, vous me voyez en train de faire quelque chose avec vous ou sur vous. Mais vous ne faites rien. Parfois on me demande que vous croyez que vos ancêtres vont vous parler comment? Hein? Vous pensez que les guides vont vous parler? En fait, moi, je ne vous comprends pas. Vous me suivez? Ne vous comprends pas. Tu rêves, tu me vois, je suis en train de te parler ou de t'enseigner. Ça veut dire que soit tu vas peut-être prendre une de mes formations, je dois travailler sur toi. Ceux qui ont besoin de concevoir, j'ai annoncé ça au début de ce direct, j'ai des produits pour la conception. Certains, il y a des produits que je bénis. Tu prends vraiment, tu manges. D'autres, je bénis, tu prends. Tu pars, tu fais bouillir, tu bois. Parce que je précise que l'enfant vient. L'enfant, c'est un esprit qui entre dans ton corps. Vous comprenez? Tu conçois et tu accouches. Un esprit entre dans ton corps, ça vient se poser dans ton ventre, non? N'est-ce pas? Après, tu accouches, ça sonne. Donc, arrêtez de toujours croire que l'enfant, c'est seulement, ce que tu peux avoir à l'hôpital. Il y a aussi la partie spirituelle. Parce que beaucoup de couples qui n'arrivent pas à concevoir, vous consultez, vous avez des gynécologues qui vous suivent. Bon, moi, je ne force pas moi les gens. Je suis tellement
Ma bouche se bavarde tellement que je ne peux pas forcer mes clients. Si je te force comme client là, c'est que non. Est-ce qu'il y a un autre nom pour la sauge? Tu demandes quel? Tu as demandé ça au Cameroun, personne. Tu as demandé à qui? Tu regardes la mise. Ton problème, c'est parce que tu ne veux pas acheter la sauge chez moi. Et je vous connais. Va souffrir, tu cherches ta chose, ta sauge dehors. Tu as compris? Chiche que tu es là. Est-ce qu'il y a un autre nom pour la sauge? On appelle ça sage. La sauge que je vous vends au Cameroun, j'ai commandé ça de Mbengue. J'ai commandé ça de Mbeng. La sauge blanche. Moi, je suis chaud comme je n'ai pas vu. Il faut aller chercher toi. Va chercher au marché, ma chérie. Moi, je vous connais trop bien. Les gens qui me suivent là, je vous connais. Je vais faire quelques consultations aujourd'hui et demain. Si on me permet. Si on me permet. J'ai au moins je sais pas combien de personnes sur la liste. Je vais consulter mardi. On m'a pas permis. On est jeudi. Donc si on me permet aujourd'hui, je consulte. Ok. Lavage physique et traitement au Cameroun. Lavage physique et traitement avec les produits, c'est 200 000. Parfois, tu trouves ton endroit où tu vas être délivré. L'ennemi. Et dit l'André, c'est toi qui es aux États-Unis que j'ai commencé à consulter l'autre jour. Parce qu'il y a un monsieur là aux États-Unis, là, l'autre jour. Il a payé. J'ai essayé de le consulter. C'est chaud. Ces démons-là m'ont touché. Jesus. Ah, d'accord, c'est pas toi. Je vais donner des instructions à mes secrétaires. Ne demandez pas à me parler tant que vous n'avez pas pris un de mes produits. Je préfère maintenant. La consultation, ce n'est pas pour commencer mon traitement. Non. Tu ne viens pas consulter avant que je te dise ce que tu dois faire. Dès que tu m'écoutes, tu les travailles d'abord sur toi. Prix du kit purification des blocages. Kit purification, ça dépend du pays où tu te trouves. Tu es dans quel pays? Grâce, je ne suis pas là pour interpréter tes rêves. Tu as compris? Si tu es au Togo, Togo, ça va faire 85 000. Kit fondation. Côte d'Ivoire, kit fondation, c'est 80 000. Gabon, 85 000, Libreville. Je suis là-bas aujourd'hui. USA, je pense qu'en dollars, c'est peut-être 200 $. Les kits sont à Washington. Donc, quand tu payes au Cameroun. Et puis, la dame qui est à Washington, elle te poste ça. Ou bien, tu viens chercher. La Bethesda. Oui, pour la France, oui. Prenez un seul numéro. Vous écrivez. Tu payes par Wave ou en Côte d'Ivoire ou bien par Orange Money. Tu peux faire Orange Money de la France pour la Côte d'Ivoire aussi, ça passe. Donc, le numéro, c'est le suivant. Cameroun, 237 680 71 07 01. En euros, si tu es en Allemagne, tu vas payer 175 euros pour le kit fondation. Kit désenvoûtement, tu vas sûrement payer 190 euros. Non. Parce que c'est plus 15 000 en plus. 15 000, ce n'est pas 15 euros. Je pense que tu vas payer 200 $, 200 euros pour le kit désenvoûtement.
comment on fait pour être un de vos points de vente. Pour être un de mes points de vente, il faut que tu aies de l'argent pour investir. Tu dois avoir au moins 7 millions. Ça donne l'argent, mais tu dois avoir au moins 7 millions. En euros, tu dois avoir au moins 10 000 euros. On travaille. Donc, si je suis sur Paris, tu es intéressé par ce que je dis. Il faut au moins 10 000 euros pour qu'on travaille ensemble. Je crois que je devrais même mettre ça à 15 000 euros. Je vais voir ça avec mon comptable parce qu'ils sont en train de travailler sur ça actuellement. Pour mettre des points de vente d'autres personnes. Je ne veux plus la représentation et tout ça. Je veux des points de vente. Quelque chose de légal. Parce que les gens qui prennent les ventes et tout là, ils escroquent trop mes clients. Donc si vous avez un paiement à faire n'importe quel pays, envoyez l'argent au Cameroun. Que ce soit ta dîme, tu ne donnes pas ta dîme en France. Tu ne donnes pas ta dîme aux États-Unis. Et une personne, une fois qui a souffert pour me faire parvenir sa dîme. Et c'est là que je me suis rendu compte que certaines des personnes avec lesquelles j'ai travaillé avant ont pris la dîme des gens, ont mis dans leur poche. C'est dommage. Parce que c'est un truc que tu as prié sur ça. Seigneur, il faut que ça touche la poche de la femme là pour que ma vie avance. Quelqu'un intercepte, il met dans sa poche en coupe. Il prend tes malédictions, on ne sait pas. Peut-être encore bloquer les gens sur TikTok ici là. Peut-être peut-on faire la consultation de quelqu'un d'autre. Si c'est ton fils, oui. Je travaille sur vos enfants avec vous. Voilà, il y a un faux profil qui vient de m'envoyer le friend request sur Facebook. Si vous acceptez, c'est votre problème. Moi, ce n'est pas moi. Et je vous donne la permission. Quand on vous demande de payer, pour être sûr, écrivez-vous, dites que vous voulez entendre ma voix. Je vais vous appeler. Il y a même quelqu'un qui a pris un numéro qui est comme le mien, avec un chiffre de différence. Il écrit aux gens, il dit qu'il est mon mari. Il dit qu'il a un gros ventre parce que j'ai écouté sa voix, on m'a envoyé un de ses voices. Et oui, c'est ma femme, on travaille ensemble. Il a la voix d'un monsieur avec un gros ventre. Oui. Ouais. Ma soeur vous a rencontré et vous avez prié pour nous autres ici en Europe. Oui. Quand j'entends la voix de quelqu'un, non? Il y a déjà d'hommes que quand ils parlent. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Luc. Oui, je vis à Libreville. Je viens. Cet homme est grand de taille. Il est hacké. Il a le chocolat sur le ventre. Aïe. Oh, yeah. Je ne suis pas seule dans ma tête, vous me laissez. Ou un autre. Tu viens à quelle heure? Tu es parti où? Jocelyne. Il est court. Il est court. Son ventre est un peu rond. Il a une grosse voiture. Mais il est court. L'autre dit Joss des Joss! Hé, hey, il n'y a rien pour moi. Non, il est pauvre. Il a la trentaine, il est beau, il est un peu hacké, mais il est pauvre.
J'arrive, j'arrive. Tu entends le bruit de la moto derrière. La mère, j'arrive. Tu entends le vent, il est sur la moto. Oui, j'arrive. Allô, mon chéri. Oui, bonjour. Très, très bien. Et toi? D'accord. Non, non, je ne suis pas sortie. C'est un peu reculé. Donc, quand elle sortait, je lui ai dit non, je ne peux pas, je ne viens pas avec elle. Comme ça, tu vas voir aussi l'endroit. D'accord. À tout à l'heure. J'aurais dû vous faire écouter sa voix. Pourquoi vous me disiez s'il est acquis? Oui, on est déjà parti. Non, elle a dit que c'était la mère qu'on devait appeler. Lui là, il a un peu d'argent, mais il est trop dur. Il est dur. Il critique trop. Celui-là qui vient de donner sa voix là, il critique trop. Il est en train de critiquer. Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Pourquoi ça va partir comme ça? Donnez-moi les cas de figure. Je vais vous faire les voix des hommes là. Je dois faire la comédie. I need to do comedy. I really need to do that, you know. Il y a un autre type d'homme. Il te drague avec sa voix. Ouais. Oui, non, non, je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. Non, pas de souci. Ouais, je peux te déposer si tu veux. Tu as dans sa voiture, tu vois là la bague. Tu vois la photo de sa femme et ses enfants. Et pourtant, il te drague. C'est bizarre. Non, lui là, il est beau financièrement. Lui là, il est beau financièrement. Je viens aux réunions de la gauche, c'est que. Je viens aux réunions. Lui là, il est beau financièrement. Il est grand aussi. Un pauvre autoritaire. Ah! Attends, attends, il cherche. Tu dois me respecter. Hein? Tu m'empêches d'avoir mes couilles dans cette maison. Hein? Je suis ton mari ou je ne suis pas. Pauvre autoritaire. Oui. Tu es à partir de poser ça là-bas. Hein? Oui. Je viens en réunion, hein. Moi, je viens en réunion. Ah. Les gens de TikTok sont surpris. Ah. Vous serez surpris, hein. Un avare colon. Tu aimes trop dépenser les choses dans la maison-ci. Regarde le frigo. J'ai fait les courses à Carrefour l'autre jour, non? Moi, j'étais demandé à dire que les enfants n'ont pas besoin de nouveaux sacs de classe, non? Pourquoi tu vas acheter un autre sac maintenant? N'est-ce pas, l'année passée, on a acheté les autres sacs. Un colon autoritaire. Ah bah, oui. Tu vas découvrir qu'il a conçu la maison à une autre femme là-bas dehors. Alors qu'il venait te serrer la ceinture dans la maison. Oui. Il fait encore qui? Ah. Je t'ai dit l'autre jour que tu as des attaques. Et j'étais dit quand on est parti au village que je devais te laver. Tu n'as pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que quand tu es avec moi, tu as peur de me demander, de me parler. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Tu as des attaques. Il y a des choses qui t'attaquent, monsieur. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Donc, quand on parle, vous ne pouvez pas comprendre.
Oui, c'était les produits de Douala, de Yaoundé, ceux qu'on a pris à Yaoundé là, c'est ça. Donc, insérer ça dans les produits. Voilà. Un beau pauvre qui drague avec sa voix. Ouh! Pauvre et beau. Pauvre et beau. Oui, bébé. Oui. Je pense à toi toute la nuit. Ouais. Ouais. Prends ta douche et puis on va se parler toute la nuit. Ouais. J'ai hâte de te voir. Mais je ne peux pas acheter mon billet pour venir. Je ne peux pas non plus acheter ton billet pour que tu viennes. Ouais. Franchement, quand je vais te voir, je vais mettre mes mains sur toi. Tu verras. Ouais. J'ai pensé à toi toute la nuit, tu sais. Tu fais quoi? Il est beau. Mais il est beau. Ouais. Seigneur, délivre-nous des beaux pauvres. T'as mangé, bébé? Oh, si j'étais là, je te faisais un bon rôti. Je te faisais du rognon sauté. Vraiment. Ne t'inquiète pas. Ouais. Ouais. C'est lui là-bas. Oui, sur mon profil TikTok, c'est mon numéro. C'est ça. Je fais encore qui? Elle dit un avare, jaloux, cou, yeah. Un crévite au jaloux. Attends, j'ai crévite au jaloux là, d'abord, on fait d'abord ça. Tu t'es lavé, tu as mangé. Tu m'as donné l'argent pour qu'elle mange. Oh non. Oh. Attends, j'ai dit que je faisais même qu'il aille. Crévite au jaloux. Oh, Seigneur. Les talents d'actrice. Il faut que ça se réveille. Attendez, attendez. Attends, attends, on se revoit. Crévite au jaloux. Je ne sais pas pourquoi toutes ces personnalités, j'ai eu des ex comme ça. C'est pour ça que c'est trop facile pour moi de les faire. D'ailleurs, mon temps, pas qu'un encore bloqué en route. Attendez, ouais, attendez, fais mes rôles. Ok, mais saisissons-nous. Ouais, Jocelyne. Il y a un mec là-bas qui te cherche. C'est qui? Je vois qu'il a une grosse voiture. Donc, tu n'es même plus, c'est maintenant le genre d'homme là que tu veux. Alors que c'est un de tes clients. Hein. Ouais, comme je suis belle là, non. Les beaux mecs aiment trop venir pour que je travaille sur eux. C'est pas de ma faute. Les beaux mecs aiment venir. Donc, je peux pas refuser aussi, non. Hein? Ouais, c'est maintenant le genre d'homme là. Hein. Oui, bon, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent pour aller. Oui, oui. Et ma mère est malade là. Et on a besoin d'argent pour l'hôpital. Tu donnes ou tu ne donnes pas. Je crois que je n'ai pas bien fait. Attends, je creuse encore dans mes archives, un de mes ex. Très vite, oh, irrespectueux. Oh! Ouais. Pourquoi tu es... Oh, attendez, attendez, très vite, oh, irrespectueux. Mais comment les crévites m'ont trop manqué de respect dans ce duo. Comment c'est difficile pour moi de vous trouver? Crévite au respectueux, attends, trouvons. Ah! Ouais. Ne crois pas, avant que tu n'arrives dans ma vie, moi j'avais déjà mes affaires qui tournaient. Moi j'avais mes choses. Alors qu'il est venu aménager chez toi sans habits. Ses premiers habits, c'est toi qui as acheté. Même son téléphone, c'est toi qui as acheté. Oui, moi, tout, mes choses tournaient déjà. Hein. Maintenant, tu fais comme si c'est toi qui contrôles tout dans ma vie. Tu fais comme si... Tu me fais quoi dans ma vie? Hein? Je sais, tu te prends pour qui même? Je dis, voyez-moi, Tintama. Tu me manques de respect alors que le téléphone avec lequel tu as été m'insulter là. C'est moi qui ai acheté. Après, je dis, oui, ma mère est malade.
Il faut la facture d'hôpital, c'est 400 000. Ouais. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Quand j'aurai, j'étais déjà dit que mes projets vont donner. Oui, donc moi, 3 millions, j'ai investi là, non? Oui. Tu as souffert entre les mains des crévites, ouais. Reine Lumière s'appelle Jocelyne. Moi, elle m'appelle Jocelyne. Et c'est que vous ne savez pas. Crévito qui parle le français de Molière. Attendez, on cherche l'autre là. Oui, tu sais, ouais, j'étais à Paris. Quand j'étais à Paris, voilà, la semaine passée, on est parti. On est parti aux Champs-Élysées. Et puis on est revenu. Oui, franchement, ça va. Et puis bon, j'attends qu'il y ait les soldes pour que j'achète mon billet pour venir au Cameroun. Mais ne t'en fais pas, je t'aime, je viendrai te voir. Puis quand il arrive, il a gardé un petit parfum Zara de 6 € à tes enfants. Oui, voilà, tu sais, j'avais pas de temps pour l'aéroport. Tu vois, je n'ai pas pu passer faire les courses. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Les enfants, franchement, non, non, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, quand vous allez venir, on va faire un tour aux Champs-Élysées. Tu as le parfum de Zara, 6 € à mes enfants. Tu es fou. Hein? Crévito, papito. Tu es fou? J'ai vécu les choses. Faut venir voir comment on vit au pays. Faut venir voir comment on paye les pensions. Écoutez, les Crévito de Mbengla. Quand ils voient une femme du Cameroun, d'Afrique, là, tu peux prendre un Crévito de Mbeng. Il ne peut pas payer la pension de ton enfant. Il peut sortir 3 000 € pour payer la pension de ton enfant. Mesdames, est-ce que vous savez même que... Vous n'êtes pas prêts. You're not ready. You're not ready for this one. Par mois, ton chauffeur, ton loyer, tes dépenses, tu es dans les 3 000 euros. Ouais, j'ai oublié mes cartes de crédit. Oui, c'est ça, non? Il t'offre quelque chose, tu ouvres, tu vois, sur ça, on a écrit Zara, H&M. H&M. H&M, are you sure? Are you joking? Jesus. Oui, tu sais, on m'a toujours appris de garder. Ma mère m'a appris de toujours garder les choses aux gens, tu sais. C'est chez nous, ma mère nous a appris les bonnes manières. Oui, franchement. Dans ma grosse voiture, tu conduis. Mon chauffeur. Jessou, allô? Oui. Bonjour. Quelle reine? Hein? Tu me parles, tu dis que tu viens de ma part. Tu veux quoi, ma chérie? Oh ouais. J'ai dit que je suis au Gabon, non. Je suis en direct. Si tu as pris mon numéro dans le direct. Si tu veux me voir, tu appelles après, ok? Oui, je suis en direct, ma chérie. Je suis en train de faire un tour là qui me plaît dans le direct jusqu'à. Tu vas faire, ça va partir. Appelle-moi tout à l'heure, ok? Merci. J'avais oublié que j'ai mis ma puce dans le téléphone ici. J'avais oublié. Faut que j'arrive et donne ça au secrétaire. Comme ça, là, vous allez me laisser. Quel chahier de personnage, hein? Il arrive. Il voit ta maison. Maman, tu t'es construit déjà. Tu as construit ta terre to make noise. Monsieur HK, je vais te sortir mon direct. Tu déranges trop. Il arrive, tu as construit une belle maison. Tu as envoyé 2 enfants en Europe. Le crédit, ok, est sur 1 500 euros en Europe là. Hein? Hey, Jesus. Hey! Que Dieu vous délivre en main de la pauvreté. Vrai, vrai. Je vais faire un pauvre mbengiste encore. Attendez. Je vais chercher un pauvre mbengiste. J'en ai tellement vu. Vous savez, quand je suis sur les réseaux sociaux là, non? Souvent, ils me contactent.
Ouais, franchement, ouais, je parle avec le Premier ministre. Oui, mon oncle, il est de Obala, non? Il est de Obala, oui. Et puis voilà, il vient à Paris tous les 2 mois. Oui, je peux pas te voir quand je vais atterrir parce que je vais d'abord aller le voir à Yaoundé, parce qu'on a un contrat qu'on doit décrocher là-bas. Ouais, je peux pas voyager maintenant parce que j'attends septembre pour que les enfants aillent à l'école. Non, mon frère, tu attends que les périodes basses des tickets arrivent. Tu veux pas payer 1500 euros d'aller-retour en France. Je vais payer 500 euros avec truc là. R, tourne-moi en l'air. Hein? Oh, heureusement, Marie, tu m'as sorti. Les gars intelligents, beaux, charismatiques, qui a les moyens. Ouh! Seulement de penser à ça, Oui, bonjour bébé, t'as bien dormi? Ouais. Ok. Tu as déjà atterri? Ok. Moi aussi, je viens d'arriver. Ouais. D'accord. Je vais en réunion tout à l'heure là. Ouais, j'ai déjà fini mon sport. Oh, d'accord. Ok. On se prend tout à l'heure chez Paul pour le déjeuner? D'accord. D'accord, je t'envoie mon chauffeur. Non, bébé, non, ne te dérange pas, je vais conduire. Non, je t'envoie mon chauffeur. T'en fais pas. Je veux pas que tu conduises. La ménagère, elle est déjà passée? D'accord. Je fais encore un autre riche. Non, ça donne. Ça donne. Un autre riche. Je me suis rendu compte que les riches, généralement, sont toujours entre deux avions, entre deux réunions. Et quelqu'un qui est riche dans la tête aussi, il fait beaucoup de cadeaux. Oui, bébé, on sort ce soir. Je veux pas que tu prépares. Je veux pas que tu prépares. Non, non, t'inquiète pas. La ménagère va s'occuper des enfants. T'inquiète pas. Oui. Ah, j'ai vu une nouvelle robe là dans la vitrine chez, je sais pas, chez Aldo. Il faut que tu ailles chercher. Ah, d'accord, oui. Je peux envoyer mon chauffeur. Il a cherché pour toi, hein, tu sais. Ok. Ah, d'accord. On se prend à 16h alors. C'est bon? Ou bien qu'on peut aller un peu un homme et une femme qui travaillent ensemble. Le domaine où je suis, par exemple, c'est un monsieur qui bosse. Je sais qu'il bosse avec sa femme. Et vous savez quoi? Il est venu me chercher hier à l'aéroport avec un. Il avait un pick-up. Et la plus costaude voiture de la maison, c'est sa femme qui l'a conduit. Hier, elle avait le cabas, avait le foulard. Ce matin, elle avait des hauts talons. Elle avait une grosse fortune. Oui, bébé, j'ai déjà placé les invités dans l'autre salle. D'accord, les clients m'ont dit que les 25 millions étaient virés sur le compte. D'accord, oui, tu prends 2 millions pour. Tu te rappelles, tu voulais acheter une nouvelle chaussure la dernière fois. Oui, donc prends-en 3 paires. D'accord, ok? Oui, bébé. Bon, je crois qu'il faut que tu voies avec l'assistant pour qu'on vire, qu'on fasse, on paye le billet d'avion pour Shanghai. On devait partir là-bas pour le week-end, tu te rappelles? Il n'a pas de stress. Qui a pris mes 500 000 dans mon compte bancaire? Crévito. J'ai déposé mes. Qui a pris mes 100 000 ici là? Qui a pris? Jocelyne. J'ai déposé 300 000 ici hier soir. Et il fallait acheter. À l'école, on a demandé le reste d'argent des fournitures des enfants, non? Non, 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 moi, je t'ai déjà dit. Je devais travailler avec l'argent là. Maintenant, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Ta femme doit voler ton argent pour aller payer les choses pour tes enfants. Non, non, ne me parle pas de ton rêve, pardon. S'il y avait les fleurs autour de toi, c'est bien. C'est pas mauvais. C'est bien. C'est-à-dire que tu es en train d'entrer dans une saison. Tu es en train d'une nouvelle saison. Peut-être tes amis, les gens qui sont autour de toi vont disparaître, vont partir un à un. Tu es dans une nouvelle saison de renouveau. Ne me racontez plus vos rêves. Et quand un homme a l'argent, il commence.
Il est toujours en train de vouloir te donner. Il veut toujours te donner. Il veut toujours te donner. Tu as pris mes 1000 francs sur la table là. Et toi aussi. Oui, bébé. Oui, je peux te passer mon comptable. Je vois que tu as des difficultés. Chaque fois que tu rentres les soirs, tu as des difficultés pour fermer la caisse avec. Oui, oui, mon comptable va passer faire un tour chez toi là-bas. Oui. Tu as déjà commandé ta marchandise en Chine là? Oui, il faut compléter, d'accord. 5 000 $. Ne t'inquiète pas, je te vire ça à l'instant. Quand tu es dans un couple avec un homme qui veut ton progrès, il cherche toujours les moyens pour t'alléger la tâche dans ce que tu fais. Elsa Kangem, je déclare au nom de Jésus que tu ne tomberas pas sur les hommes riches et chiches. Je te délivre de cette pensée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ok? Il y a les hommes riches et chiches. Tu ne tomberas pas sur eux. Tu es trop belle pour te laver avec l'eau normale. Tu as besoin de te laver avec le lait. Le lait. Il est rose. C'est pareil quand tu es une femme riche. Tu veux toujours donner. Et même si ça rend les hommes avec lesquels tu étais dans le passé paresseux, que ça ne t'empêche pas d'être qui tu es. Alors j'ai de beaux yeux. Oh, merci. C'est pour mieux t'envoûter, mon cher. C'est pour mieux te charmer, mon cher. On peut faire le petit chaperon rouge si tu veux. Je me dis toujours, la fille qui était dans le petit chaperon rouge, elle était trop bête. Elle était trop bête. On te dit que les dents, c'est pour te manger, tu restes. Nawetina. Voilà une femme qui a les dos. Si vous voulez me voir dans un pays, payez en avance. Quand j'arrive, on vous signale, vous venez, je travaille sur vous. N'attendez pas, je suis à Libreville aujourd'hui. C'est sûrement aujourd'hui, vous dites, hey, s'il vous plaît. Bon, j'ai dit ça fatigué. Si vous voulez vous écouter, vous n'écoutez pas. Bon, on passe maintenant sur la femme qui a les dos. Oui, chérie. Oui, j'attends le taxi pour venir te voir. Mais non, je t'envoie mon chauffeur. Allez, prends un taxi en course. Oui, t'inquiète pas. Il arrive. J'entends le moteur dehors. Je n'avais pas l'argent pour payer le taxi. Je n'avais pas l'argent pour payer le taxi. C'est lui-même. Il attend que tu me donnes l'argent. Il attend que tu me donnes l'argent. Ya. Yeah. Je t'ai dit qu'il veut payer le taxi. Même payer même l'argent pour payer, tu n'avais pas. Donc en tout et pour tout, sur toi, tu n'as pas 3 000. Elle prend 10 000 et te donne. Tu donnes le taxi. Il te rembourse, tu mets dans la poche, tu t'assois. Non, mais sens-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Va dans le frigo, il y a à manger. Vas-y. Je suis en réunion là. Elle va s'asseoir. Elle finit sa réunion d'abord. Et en faisant la réunion, elle a commandé la nourriture dans la cuisinière en train de préparer. Ou bien en train de porter pour venir avec. Tu veux manger quoi? Je peux commander chez Paul, hein, tu sais. Souvent, là, elle dirait, tu sais, j'ai commandé Paul. J'ai commandé Paul ici en direct souvent. Parce qu'il ne veut pas finir le direct, il n'est pas encore mis dans la cuisine pour préparer. Nawetti. J'ai tellement visualisé la vie que je vis aujourd'hui. Le pouvoir de la visualisation marche. J'ai dit que. L'appartement dans lequel j'ai atterri ici hier, c'est. Les gens, c'est là. C'est exactement. Donc, c'est comme si ils sont venus dans mon cœur, ils ont vu ce que je voulais. Ils ont avancé dans le temps, ils sont allés construire pour que je vienne vivre dedans aujourd'hui. C'est super beau, c'est petit, c'est. I like it. Je vais montrer aux gens de Facebook, je ne montre pas aux gens de TikTok. Regardez. Ici c'est la chaise, là j'ai mis mes affaires, là-bas il y a la salle à manger.
une cuisine américaine qui donne juste là. Et on va comme ça pour aller dans la chambre et la douche. Le balcon, il est là. C'est super cosy. La visualisation marche. Vous devez toujours vous dire, il n'y a que de bonnes choses qui m'arrivent. Il n'y a que de bonnes choses qui m'arrivent. Vous n'avez pu aller dans les maisons où il y a la moisissure. Tu as atterri en France, tu es bien logé. Tu as atterri à Badjoun, tu es bien logé. Tu as atterri à Abidjan, tu es bien logé. Tu vas aller sur Facebook, voir. Partout où tu vas. Tu es bien logé, donc tu es... Il y a des gens, vous êtes à Paris. La chambre où tu vis là, tu ne peux jamais montrer dans une vidéo. Tu ne peux jamais. Parce que tu connais toi-même. C'est ton âme qui a besoin de guérir. Parce que quand ton âme guérit, hein, tu ne tolères plus certains endroits. Tu restes dans un endroit, c'est sale, tu quittes, tu déménages. Tu quittes. Tu n'attires que les belles voitures, les belles personnes. Parce qu'à un moment, tu étais fatigué des gens. Et même si quelqu'un vient dans ta vie, j'ai eu des personnes qui sont arrivées dans ma vie quand je commençais à manifester ce mode de vie. Elles ont commencé à faire comme des fardeaux. Tu es dans mon entourage, tu ne matches pas mon énergie. Crois-moi, tu vas tomber seul. You're gonna kick. You know, un jour, j'étais avec quelqu'un qui faisait. C'était quoi? J'ai souvent des idées, j'ai trop d'idées de business. Donc la personne a. On a commencé à sortir ensemble. La personne a vu mes idées. Waouh, waouh, waouh. La personne a commencé à prendre. Je vous avais parlé de cette déceptique qu'on avait, de laquelle j'étais une fois. Et il voulait faire Airbnb. Et pourtant, j'ai fait Airbnb en France, en Angleterre. Pendant une période, c'est ça qui m'a donné de l'argent quand j'étais là-bas. Airbnb, franchement, je crois que c'est moi qui ai manifesté Airbnb. J'ai trop désiré. Et puis les hommes là ont reçu mon énergie, ils ont créé Airbnb. Donc 2016, 17, 18, 19, il était dans Airbnb. Donc quand j'arrive au Cameroun, je rencontre cet homme. Il me dit, ouais, j'ai un truc que je veux faire Airbnb. Donc je commence à lui montrer des petites astuces, little tips, you know. Parce que sur Airbnb, tu as des appartements, tu arrives, c'est très beau. Donc il n'a rien à dire. Donc tu es... Oh. Mais il y en a que tu arrives. On a masqué quelque chose, tu t'assois, tout ça, ça fait clou, ça se casse. Tu arrives, tu comprends pas pourquoi il fait Airbnb. Donc, Charlotte, je vais te bloquer. Tu as compris? I go bloquer you. Allô? C'est toi qui dis que tu veux venir avec ton fils. Tu peux venir après 13h, on cherche-le à la maternelle. Maintenant, tu veux venir avec lui, pourquoi? Tu veux que je travaille sur lui aussi? Si je ne travaille pas sur quelqu'un, c'est encore ne me paye. Donc, si tu viens avec lui, il faut apporter son argent. Ok, maman? Bye, merci. À tout à l'heure. 13h. Viens avec lui, pas de souci. Tout à l'heure. Parce que moi, je vous connais. Tu payes ta consultation, tu veux venir avec ton enfant. Pourquoi? Je ne comprends pas. Moi, pay me cash. You better have my money. Pay me what you owe me. Yeah. My energy is not free. Mon énergie n'est pas gratuite. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Rien entre dans tout de ce corps. Moonlight. Bitch, better have my money. Hey, comment on peut faire la folie devant la caméra? Oh, Seigneur. Reviens, Jocelyne. Je fais de mon mieux pour évacuer l'énergie de Rihanna de mon corps. J'aime beaucoup l'énergie de Rihanna. Rihanna, la go sexy, riche. Et un peu de Rihanna dans moi. Oui, vous pouvez venir. Je suis au Gabon aujourd'hui. Donc, si tu as payé, tu viens au Gabon aujourd'hui. Tu écris. Si tu allais à l'adresse, c'est bon. Je vais aller au local. Je vais commencer à faire les lavages et tout ça, la consultation. On a évacué un peu. Ok. On parlait même de quoi? Ouais, je parlais du gars là. Du gars, oui.
Donc, tout projet sur lequel tu participes, tu amènes ton énergie dans le projet. Donc, je vois son appart et tout ça là, je mets mon énergie, je dis, bon, quand tu vas commencer à recevoir tes clients, paye-moi d'abord. Il me dit, ouais, pas de souci, ouais. Donc, j'avais pris mon argent à l'époque, j'ai mis là-dedans. C'est comme si Dieu le testait même. Et c'est fou parce que les mecs m'ont fait ça deux fois. Donc, celui de la première fois, quand l'argent entre, quand l'homme est content, l'argent entre, il me fuit. Oh, il me fuit. Donc, voilà mon nom sur Facebook, The Give Digger Academy. Je vous rappelle que mes téléphones sont en train de se décharger. Quand ce sera totalement déchargé, le direct va devoir s'arrêter. Donc, les deux téléphones, c'est là. Je suis arrivé ici, j'ai un peu de problème de baisse de tension. Donc, le chargeur normal ne le prend pas. Ce n'est que le chargeur sans fil qui charge. Donc, j'ai trouvé des téléphones sur la nuit, ça a chargé. Là, je pense qu'on est à 20% déjà. Donc, il nous reste peut-être 30 minutes de direct. Donc, voilà mon nom sur Facebook, The Give Digger Academy. Et sur TikTok aussi. Non, Facebook et YouTube, The Give Digger Academy. Donc, quand les sous entrent, premièrement, le gars, il me snob, il m'ignore. Et enfin, il s'est arrangé pour qu'on se sépare. Donc, il croyait que comme j'ai arrangé là, c'est bon. Premier client vient. Le premier client vient, il roule, il entre dans la maison, il vit et il ne paye pas. Et sa voiture se gâte. Donc 2 mois plus tard, il revient au Cameroun. Sans avoir. J'ai dû prendre certaines choses chez lui, vendre pour avoir mon argent, une partie de mon argent. Il vient me voir à mon bureau. Ouais, je suis venu, mon moteur a coulé. Et tu sais vraiment, les gens que j'avais mis dans l'appartement là, ils m'ont bousillé les choses avant de partir. Ils m'ont. Il regarde. Est-ce que tu peux. Tu n'as même pas 1 million là pour m'aider. Oh! Hey! En tout cas, ça c'était l'une des vengeances les plus rapides que Dieu m'ait montrées. Et puis quelques temps plus tard, j'ai un autre qui a encore fait la même chose. Ouais, je veux lancer mon business. Nanana, toi, tu as de l'argent tous les jours. Je lui dis, ok, bon, je prends les sous, je lui donne. Ne me contactez pas, Nemos, me demander l'argent, je ne donne pas. Ok. Donc, je prends les sous, j'investis sur son truc. Premier client vient. Il oublie. Il oublie en fait que j'ai investi. Il oublie de me rembourser mon argent. Deuxième client. Mais vous imaginez, son truc n'a pas duré, bien sûr. Donc, ce qui vous manque, ce n'est pas l'argent. La bonne énergie. Parce que beaucoup d'entre vous là, vous êtes chiches. Donc je disais en passant que les agents de lumière femmes, quand vous on vient, on croit qu'on vous exploite. Plus on te suce l'argent, plus tu deviens riche. Wow, that's a word, that's for me. Plus on fait semblant de te prendre l'argent, plus tu deviens riche. Maintenant tu vas devenir sage. Je me suis rendu compte parce que récemment il y a une qui vient. Elle me flatterait, mamie. Ne m'appelait pas mamie, je vous ai dit ça. Mamie, 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 mamie. Donc, elle est venue tellement de fois, je lui ai donné toujours des opportunités encore et encore. À chaque fois, je la sors toujours. Mon numéro du Gabon ne passe pas. Appelle maintenant. Voici le téléphone dans ma main. Donne-moi le numéro où tu es en train d'essayer d'appeler. Voici le téléphone dans ma main. Tu es en train d'essayer de composer quel numéro? Écris le numéro où tu es en train de composer ici. Vous aimez, il y a que le Roumra, fait quoi là? Appelle. Appelle maintenant vite. Il est tout bloqué. Vous aimez souvent gaspiller le nom des gens ici dehors. Je veux gaspiller mon nom. Bon, continuons. Je lui ai donné la 3 chances. Je l'ai pris chez moi 2 fois. Je l'ai même employé. J'ai fait tellement de choses pour elle. Chaque fois. Elle reste un peu après pas. Donc, tout ton argent que tu as dépensé sur elle, elle ne voit pas. Une énième fois, elle revient. Et je te dis, hé maman, tu m'appelles maman, pourquoi? Love my life, ne t'amuse pas avec moi. Ne m'appelez pas mommy, maman. Les plus gros escrocs enfants que j'ai eu, ce sont les gens qui sont venus m'appeler. Mommy, mommy, mommy. Comment? Ma de l'anac. Ma. Ma. Mamie. Elle est venue une énième fois. Et dès qu'elle me parle, que maman, maman.
Hey. Il me voyait déjà en train de sortir la rampe pour dire que bon, je vais te payer ça, je vais te faire. Hey, elle est arrivée. Un de mes collaborateurs l'a reçu. C'est lui qui devait lui donner ce quoi. Il donnait ce ultimatum. Ne crois pas que la mère va passer le temps à t'aider. Hein? Il a parlé pendant 10 minutes. Elle a fui, elle est sortie. Alors qu'à 8 heures, elle disait que je suis engagée, je veux vraiment faire, je veux vraiment faire. Tu veux vraiment faire quelque chose, on te donne des ultimatums, qu'il faut que tu sois sérieuse, tu fuis. Donc beaucoup de personnes vont venir à côté de vous pour vous influencer et tellement tirer parti. Mais vous devez comprendre que vous devez maintenant arrêter. Vous devez maintenant couper. Vous devez couper. Tu veux aider quelqu'un, va à l'orphelinat, tu donnes. Et fuyez les gens qui vous appellent maman. Suivez-les. Suivez-le quand vous entendez déjà là. On dit que ma mère, les gens vous aiment pour ce que vous faites pour eux. Bonjour, Fulbert d'Abidjan. Ils vous aiment pour ce. Arrête de faire, tu vas voir. Ils vont t'appeler par ton nom. Jocelyne. Eh oui. Appelez-moi seulement madame. Ne m'aimez même pas que. Ne mets pas ma mère, mon mi, non, non, non. Just call me, madame. C'est tout ce que je te demande. Arrête de faire ce que tu faisais pour eux, tu vas voir. Tu vas voir un enfant de 22 ans. Et cette même personne dont je vous parle, l'une de ses petites-filles-là, une de ces fois où elle est toute dans ces folies-là, elle est venue. Je crois que je disais à une de mes filles une fois que j'ai eu. Très peu de fois dans ma vie où je bagarrais avec les gens. Très peu. Et je me rappelle, j'avais oublié, c'est la dernière fois que j'ai bagarré avec quelqu'un dans ma vie. Cette fille était ma secrétaire. Elle m'appelait mamie, mamie, mamie. Elle vient. Il était au quatrième étage au temps là. J'avais un bureau qui était au quatrième étage. Elle vient. Hein? Tu es une sorcière. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'elle venait faire le jour là. Il est tapé. Il est tapé. Il dit que regarde-toi. Tu as 22. Tu ne me. Noëlla, on ne bagarre pas, on tape. C'est la bastonnade, ce n'est pas la bagarre. Je n'appelle pas ça bagarre. C'est pour ça que quand tu m'as raconté ta part, que tu as tapé quelqu'un d'autre jour là, il dit que. Je l'ai regardé comme ça là. Vous me connaissez d'abord que mon. Ma forme, juste d'abord très costaude. J'ai fait du sport pendant longtemps. J'ai fait au moins 8 ans de sport intense. Donc, c'est encore dans mon corps. Ne voyez pas comme j'ai pris les formes maintenant. Là. C'est vrai que mes formes me plaisent beaucoup. Mon corps me plaît trop maintenant. Je vois la petite fille là comme ça. Il dit que c'est à moi que tu parles comme ça. Et la période là, c'est, vous avez vu qu'à Makepe, il y a maintenant les vigiles. La période là, j'ai eu deux attaques comme ça. Là. Après, j'ai dit que non, j'ai pris les vigiles maintenant. Je dis qu'on n'en plus chez moi n'importe comment. Elle arrive. Oui, elle se met devant moi. Que parle encore. Parle, j'ai dit que yeah. Mof. Que ma fait tant que. Mof. J'ai donné une gifle comme ça. Où est le concours de gifles? J'ai vu si tu toques 5 jours de parler du concours de gifles. Que le concours de gifles. On a giflé l'autre. Les gens inventent les jeux qui n'ont pas de sens. Yay! Yeah. J'ai tapé la fille là. Après, j'ai dit que non, je voulais la lancer même du quatrième étage. Non, Seigneur, épargne-moi des pensées comme ça. Mais bon, j'étais trop tenté le jour là. Ce sont des gars qui sont venus en bas. Avant de la taper, j'ai d'abord juste parti au balcon. J'ai appelé les gars là que montez oh! Je suis remonté maintenant. Je l'ai tapé comme ça là. Oui. Oui. Parfois, c'est nécessaire. Quand tu fais ton travail spirituel, après tu rêves. Tu rêves. Dans ton rêve, tu as fait taper quelqu'un. Il y a les gens que physiquement, ils vont venir sceller ton jeûne par les bastonnades. Ils vont te montrer donc, comme tu as tapé dans le rêve, là, tu vas taper dans le physique. Que je scelle mon jeûne au nom de Jésus. Tu tapes toi au nom de Jésus. Toi au nom de Jésus. Oh, oh quand il dit mes choses, vous savez ce qu'il dit sur TikTok. Laissez.
Il y a les gens que tant que vous ne les tapez pas, tant que vous ne les tapez pas, et parfois vous les tapez comme ça, ça les exorcise. Vous me suivez? Le démon qui était dans leur corps là sort. Après, on dit que, ouais, tata, je m'excuse. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui t'ai parlé comme ça. Tu vois la blessure. Tu vas passer même une semaine avec le brancard sur toi. C'est quoi les béquilles? Ouais. Tu n'as pas pris ça loin, ma chérie. C'est parce que j'ai une partie de moi que j'ai un peu enterrée pour le moment. Mais tu me cherches, tu me trouves. Tu me cherches, tu me trouves. Bien même. Bien dosé. Bien saturé, satiné, polish là. I beat the hell out of you. Je vous ai dit que peu importe ce que vous décidez, je ne paye rien. Ok? Effectuez et faites le devis. Maintenant, je précise que chez M. Donald, ça coûte 55 pour le moment, mais les futurs polos que vous ferez, il va garder la maquette. Ce qui fait que le moule de 5000 que vous avez payé, là, vous ne payerez plus ça après. Donc, monsieur, moi, vous va prendre du temps. Mais le gars de Donald, c'est cher aujourd'hui, mais après, quand vous ferez d'autres, ce ne sera plus cher. Donc, il garde juste le moule avec lequel on a travaillé. Mais moi, je vous aurais conseillé de faire avec, avec Donald. Voilà. J'ai un peu d'effet, je ne sais pas, les gens se mouillent. Il y a certaines personnes dans votre famille qui ont besoin de savoir que vous n'êtes plus la petite fille qu'ils ont tapé avant là. Oui. Pardon. Et quand tu es dans ce genre de situation là, tu tapes, tu n'as pas le remords. C'est une bataille spirituelle. Hein. Tu tapes, tu n'as pas le remords. Donc, c'est comme si une force surnaturelle qui vient sur toi. Je n'encourage pas les gens à les bagarrer, mais il vous dit. Donc, c'est comme si tu, dès que tu tapes, la force vient. Tu tapes, la force vient. Et parfois, même si tu, si on regarde le gabarit, même si tu es censé te faire battre par la personne, tu tapes la personne. Oui. Si vous compreniez vos batailles spirituelles, tu apprends à l'enfant à bagarrer. Hein? Que mon fils, qu'on l'a botté hier. Tu as mis les rangs, je vous dis qu'il n'a pas botté la personne. Tu as bastonné quelqu'un dans le rêve, oui. Beaucoup de ces personnes-là, quand vous avez commencé à vous laver avec le sel, et vous allez voir que quand les gens, même si ce n'est pas la bagarre physique, tu vas voir que tu auras un courage, un jalat. Donc, genre, tu n'auras plus peur des confrontations. Parce que quand tu es normalement caché un peu spirituellement, couverte, tu fuis les bagarres, tu fuis les confrontations. Tu fuis. Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah, non. Quelqu'un te tente, mof. Tu l'insultes. Et quand tu l'insultes, tu ne te sens pas mal. Hein? Quand vous voyez ce TikTok, c'est là, vous dites que Baba Choum. Tu ne te donnes ta dose. Il n'est pas peur de quelqu'un. Parce qu'il ne vole pas la chose chez quelqu'un. Je ne mange pas chez quelqu'un. Voilà, tu as bagarré avec ton ex. Ah. Voilà, après ton premier bain de pipi, tu as bagarré avec quatre personnes dans ton rêve. Oui. On vient de te coller pour bosser. Ah, super. Tu regardais mon live, les bonnes choses t'arrivent. C'est super. Ah, vous ne savez pas que souvent, vous là, souvent dans certaines bagarres, tes anges atterrissent. Quand tu donnes un coup, ils donnent 5 coups à la personne. Je vous dis. Ne blaguez pas. Les gens spirituels. J'étais à l'aéroport. Dans un aéroport l'autre jour. Tu vois, quand tu arrives à l'aéroport, il y a des gars qui viennent. Ils veulent t'aider un peu. Que oui, ma soeur, je vais te porter tes choses. Donc, un de ces gars-là arrive, il porte, il prend les choses, il met sur son trolley. On attend alors.
Hein, finalement, l'agence, ils font passer les colis, ils portent, ils tirent mes colis, ils déposent. Le travail de la pleine lune, là, c'était le bon. Non, mamie, ne te dérange pas. Les dimensions d'argent qu'on a reçues pour le travail qu'on a fait à la pleine lune, là, c'était pas la blague. Donc, voilà, ça, les affaires arrivent. Moi, je suis habitué à bagarrer avec les gens à l'aéroport. Donc, quand ils arrivent là, j'ai ma paperasse. Quand on voulait un peu me déranger, me donner une main de tête, je cherche la chaise et m'assois. On commence les débats. Donc, voilà, le monsieur, quand on est en train de marcher, il dit que bon, passe sur la file, c'est là, je le mets. Après, moi, il dit que tu n'as rien à déclarer. Il voulait faire le truc. Tu vois, comme les gars là, quand ils te prennent, ils croient que tu fais le faux. Donc, quand ils te prennent, ils veulent te faire passer. Ils ont fait un peu, genre, non, je te fais passer, tu me donnes 10 000 après. Il dit que non, ne te dérange pas, papa. J'ai le temps. J'ai l'énergie, j'ai les papiers pour ça. Je sors derrière toute ma paperasse. Je vois jamais avec mon registre de commerce, tous mes enregistrements, tous mes impôts que j'ai payés dans les pays, tout ça. Donc, on arrive. Je vous assure, la file dans laquelle on était. Quand on arrive, le monsieur qui est devant moi, la femme là, le check, il passe. C'était la douane. Le chef du département de douane vient appeler la femme qui était devant moi, la femme qui contrôlait. Il arrive, allez, viens. Oui, viens. Dès qu'il arrive comme ça, donc c'est comme s'il y avait la confusion. Elle laisse son poste, elle part. Et je suis devant elle. Je suis là comme ça. Là. Le monsieur a dit, madame, avancez, on part. On passe. On arrive dehors. Il dit que je n'ai jamais vu ça. Je suis dépassé. Il dit, ah. Parfois, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et j'ai dit encore que même si la femme là, tu dois arriver devant quelqu'un, on parle, tu es comme ça. Jusqu'à lui-même qui prend tes papiers là. Parce que n'oubliez pas que vous faites face à des entités. Ça là, je vends tout, je fais dans tout. Je fais 5 réunions, je vends ça là. C'est disponible à Douala. Pour Libreville, je ne sais pas si je suis venu avec. Il y a ça à Abidjan aussi. Et on poste partout où vous êtes. Souvent, tu arrives, un homme s'assoit sur ton papier à l'aéroport. Tu passes là-bas tous les jours et tu voyages tous les jours, tu passes. Tu arrives le jour et il commence à te dire que non, il faut que tu... prouve-moi d'abord, tu es venu voir qui ici? Il dit, mais mon frère, regarde, je suis sorti, ça fait une semaine ou deux semaines. Je suis sorti, ça fait deux semaines. C'est quoi? Ça là, à Abidjan, je crois que c'est 18 000. Abidjan. J'ai dit, mais mon frère. Donc, l'autre jour, j'étais dans un pays que je ne vais pas désigner. J'arrive, celui-là était nouveau. Il me prend, il me dit, reste un peu à côté. Il prend donc mon passeport, il donne à une autre femme que va la contrôler. Celle-là arrive, elle dit que maman, j'ai déjà pris la photo ici avec toi-même une fois, que je te connais. J'ai dit que mamie, je sais pas moi ce qu'il veut. Elle part encore derrière. Elle donne mon papier à un autre. Lui, encore, il vient. Il dit, madame, il vous a arrêté, pourquoi? Il prend le passeport de carte. Il dit, mais vous entrez ici, vous sortez tout le temps. Après, il me tire, il dit qu'il faut laisser. Il me tire, il met le cachet sur mon truc. Tac, il dit, partez. Parfois, ce sont des entités. Donc, il faut voir la sensation de ton corps. Souvent, tu arrives, c'est les gens qui contrôlent là. Là, on passe au scanner là, à l'aéroport. Madame, retirez tout. Retirez votre soutien. Retirez vos chaussures. Oh, fouillez-moi une fois, c'est quoi? Laissez-moi fouiller une fois. N'enlève plus rien. Vous avez les pièces dans la poche. Retirez et déposez. Vous avez encore. Et tu vas voir la personne. C'est comme si effectivement. Ah. Ne vous laissez plus faire. Dans les aéroports, les endroits comme ça, il y a des gens qui portent beaucoup d'entités. Beaucoup. Ils ont beaucoup d'entités. Et quand ils te voient, il faut qu'ils te déclenchent. Donc faites attention. Et quand ils te titillent, tu sens que ce n'est pas sain. Tu sens que ce n'est pas sain. Like, you know. Tu donnes tout ce que tu as donné. Il y a quelque chose derrière. Quand c'est comme ça, ne leur donnez pas le lait. Ne donnez pas le lait. C'est pour ça que vous devez être en règle dans tout. Vous avez fait des mensonges, que vous avez menti. Tu marches avec la tête haute.
Quand on voyait parler, on savait parler comme ça partout. Hein. Je ne comprenais pas moi chuchoter. J'étais dans des relations avec des gars qui disaient, ah, tu parles trop fort, quoi. Quand tu me grondes, je ne te gronde pas, papa, c'est comme ça qu'elle parle. Parfois, c'est la jalousie. On te voit, tu es belle. On prend ton passeport, on voit les voyages. Vous venez d'où? Vous allez où? C'est ça dans le document, papa. Voilà mon billet d'avion, ça dit là où je parle. Dans la saison-ci, là, on n'est plus là pour demander un. Boldness. En tout cas, ceux qui se lavent avec le sel, vous confirmez, non? Depuis qu'ils me lavent avec le sel, j'ai le courage. Oui, les tantes qui te dérangeaient là. Certains voient sur ma page que vous êtes là, non? Il y en a même maintenant là que vous avez mis votre nom complet sur Facebook. Vous venez commenter dans mes directs. Avant, tu avais peur, tu étais parti faire le faux profil. Ils vont voir que je te suis. Ils tentent alors maintenant. C'est avant qu'on avait peur d'eux. Oui. On a plus peur de vous. Tanticone, onclicone, exticone. Décepticone, mariticone. On n'a plus peur. On peut utiliser l'eau chaude avec le bain de sel. Ma chérie, réponds à ta propre question. Si l'eau chauffe ou ça ne chauffe pas, ça change quoi sur la puissance du sel? Pourquoi vous êtes belle et vous êtes bête aussi, non? C'est des questions que vous posez parfois que ça m'énerve. Je ne t'ai pas répondu, réponds toi-même. Salut ma chérie, envoie les photos et les noms de tes enfants, s'il te plaît. Photos. Ah oui, je vois les photos ici déjà. Ok. Je dois être DJ. Je dois être DJ dans ma vie, vraiment. On dit partout que je suis égoïste et imbu de ma personne. Depuis que je ne mâche plus mes mots. Mais oui, tu ne mâches plus tes mots, ma chérie. Tu as dit quelque chose. Quand tu lui dis, tu lui dis. Richard, tu as le nom de mon ex en plus. Hein, Richard? Oh, les ex qui viennent gâter le nom des gens. Donc, tu rencontres un Richard, il te fait du mal. Plus tard, quand tu rencontres un autre Richard, il te drague, tu fuis. Ah! Hey! Bon, je vais vous laisser. Il faut que je fasse même deux consultations avant de sortir de la maison. La femme s'est là trop appelée. Bonjour madame. Oui, bonjour. Oh, comment vous allez? Vous avez la voix d'une belle femme, une femme très jolie. Hein? Même quand vous riez là, vous êtes très belle, vous êtes brune. Oh my god. Oui. Donc, tu as déjà payé ta consultation, c'est ça? Ok. Bon, attends, alors, je vais te faire ton truc maintenant, alors, en même temps. Regarde comment tu as la chance. Oui. Pas de soucis. Oui. Est-ce que tu as les Decepticons? Tu as les Decepticons qui te suivent? Est-ce que tu as les Decepticons? Tu connais pas les Decepticons? Yeah. Tu ne connais pas les Decepticons? Eh, monsieur, il ne connaît pas les Decepticons. Tu ne connais pas les Decepticons. Tu as des personnes qui te veulent du mal et qui ne voudraient pas que tu sois sur ma page? Je suis en direct, hein. Donc je vais parler. Quand je vais te parler, les gens vont écouter ce que je te dis ici, là. Mais ils n'écoutent pas ta voix. Ok? D'accord. Non, non, non. Elle ne connaît pas qui tu es.
Bon, donne-moi ton nom. Je vais chercher quelque chose. Donne-moi ton nom. Je suis pas dans le truc, donne-moi ton nom. Oh, ma chérie. D'accord, super. D'accord. Super. Bon. Bon, attends, je vais commencer ta lecture. Oh, t'as de la lumière sur ton visage. Oh my god. Je viens de voir ta photo. T'es très courageuse. Ce n'est que maintenant que ton courage s'ouvre. Je vois comment tu as un syndrome de... On t'a beaucoup retardé. T'as beaucoup retardé. On a retardé ton appel, ta vie, ta célébrité. Beaucoup de choses ont été retardées dans ta vie. Tu es censé aussi apporter même des... je sais pas, faire peut-être des vidéos, des conférences qui vont appeler les femmes comme toi, à avoir confiance en elles, à chercher leur chemin de vie. Donc, tu as une mission pour aider les femmes, rassembler les femmes. Bon, il y a quelqu'un qui a fait des incantations contre toi, ça c'est sûr. Je ne sais pas si à un moment c'était quand tu étais mariée, peut-être il y a une femme très jalouse ou bien une tante. Je vois une femme. D'accord. Oui, si te trompais à l'époque, parce que je vois une femme très probablement une femme avec laquelle ton ex est sorti, ton ex-mari, et elle a fait des incantations contre toi. Voilà. Maintenant, tu es aussi quelqu'un que tu as échappé à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de miracles qui sont passés dans ta vie. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ta vie est une sorte de miracle. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées dans ta vie. Ta vie, même d'abord, elle-même a été protégée. Parce qu'on a voulu que tu meurs au moins deux fois. Failli mourir. Ah, d'accord. Waouh. Wow. Ok. Bon, voilà, ce qu'on me dit de te dire, il cherche de quoi noter. Tu es dans une phase de renaissance. Tu es comme une plante, une graine qu'on a mis dans la terre qui est en train de sortir. Oui, tu vas maximum 5 ans. Tu vas avoir l'argent que tu étais censé avoir en 30 ans. Donc je vois comment tu sors de la terre, tu pousses. Et voilà le bambou. On me demande de te parler du bambou. Donc voilà, tu as ce truc-là en toi. Ouais, comme un bambou. En 5 ans, tu vas manifester ce que tu es censé faire en 30 ans carrément. Et tu es aussi très protégé. Il y a une bulle de protection autour de toi. Et tu as aussi des guides qui veulent que tu guides d'autres personnes. Et tu es en train de faire un travail spirituel sur toi qui est en train de briser les barrières, les prisons dans lesquelles tu étais. Et ces prisons-là, quand ça va tomber, tu vas libérer d'autres personnes. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de traumatismes que tu as subis dans ton enfance qui doivent partir, quitter carrément. Ça a commencé dans l'enfance. Père, tu as quel point avec ton père? Tu as eu quel point avec ton père? Ah, il ne t'a pas reconnu. Oh. Ok. D'accord, je vois que c'est ça qui a fait que tu manifestes dans ta vie aussi des relations très, très turbulentes ou bien dans lesquelles tu te sentais abandonné ou bien fuyé à chaque fois, tu ne te sentais pas supporté, voilà. D'accord, donc tu vas, il va falloir que tu fasses beaucoup de méditation pour libérer l'énergie d'abandon, l'énergie de non-ancrage, ton chakra, cherche comment ancrer ton chakra de la racine. Le chakra de l'utérus. À l'utérus, on a un chakra. Voilà, donc quand tu vas équilibrer ça, ça va permettre que tes antennes, tes cheveux... Je crois que tu as les cheveux naturels. D'accord. Passe souvent du temps au soleil. Passe souvent du temps au soleil.
tu te mets les pieds dans les herbes et le soleil. Tu vois comment, quand tu vas libérer ton chakra de la racine, ça va libérer les doutes et les instabilités que tu avais. Ce qui va aussi libérer ta connexion. Tu as une connexion, tu as une capacité normale à te connecter aux astres. Très, très puissante. Et tu as des messages à l'intérieur de toi qui vont... Ah oui, ton intuition, ça va encore plus se développer. Mm-hmm. 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 Mmh. Mmh. Mmh, mmh. D'accord, tu as une connexion très forte avec les astres et les ancêtres aussi. Mais il faut beaucoup les engager. Ok, bon, je continue. Tu vas, normalement, tu vas attirer dans les prochaines années, les 5 prochaines années, tu vas attirer beaucoup de personnes qui sont comme toi, des personnes qui vont, je vois une énergie qui sort de toi et tu élimines des gens. Tu leur apportes de la lumière. Donc ça, c'est des choses que tu étais censé faire depuis que tu as 20 ans. Tu n'as pas pu les faire. Maintenant, tu vas aussi passer beaucoup de temps. Planifier au moins une journée par semaine où tu es seul. Ouais, on me parle des douleurs dans les pieds, l'amertume, tu dois pardonner. Je vois les rhumatismes, tu dois pardonner. Tes articulations vont être libérées quand tu vas pardonner. Ça bloque ta connexion avec les astres et ça te bloque aussi physiquement. Oui, pardonne à beaucoup de pieds, des gens, je ne sais pas qui, ex-mari peut-être, voilà. Dès que je dis pardonner, je vois fin de relation. Mm-hmm. Attends, garde l'écoute ma chérie, garde l'écoute. Je ne sais pas. Allô? Oui. Oui. Tu l'as sur ton téléphone. Je vais t'envoyer le nom d'une app, une application que tu peux utiliser. Ok. Je ne saurais te dire vraiment. L'application là, est très puissante parce que l'autre jour à Yaoundé, ça a aidé les gens. Je t'envoie ça maintenant. Ok, merci. Allô ma chérie, garde l'écoute, je cherche un numéro pour donner à quelqu'un. Attends. Mon WhatsApp est dans la bio.
Quand la conscience de quelqu'un comme ça est troublée. Hein. C'est bon, madame, je suis revenue. Bon. Je vous disais que vous êtes censé faire des choses qui vont aider les gens. Beaucoup de personnes vont venir à vous. Et je pense que ça a aussi à voir avec ce que vous avez subi dans vos relations amoureuses. C'est la partie de vous qui va beaucoup attirer les gens à vous. Beaucoup. Beaucoup de femmes dans votre situation vont venir à vous et vous allez aider à les restaurer. Vous allez aider à les restaurer. Avec ce que vous avez subi, c'est un peu comme si ce que vous avez subi, ça vous a donné une puissance qui permet de guérir ces personnes. Voilà. Donc ne prenez pas mal la relation que vous avez eue. Vous êtes aussi appelé à aider les enfants. Je vois aussi beaucoup d'enfants avec lesquels vous allez travailler. Vous devez aussi vous asseoir pour mettre des activités sur pied. Vous avez le don du commerce. Mais peut-être vous avez commencé à arrêter. Oui, il faut te lancer. Il faut briser la barrière et tu te lances. Parce que quand tu vas te lancer, ça va beaucoup marcher. Et c'est cet argent que tu vas avoir. Je vois aussi, je vais te le dire, je vois la paresse. C'est comme tu as une paresse. Merci, Outfit. Voilà. Ok, tu dis que c'est vrai. Super. Donc, il y a beaucoup de paresse qui fait que si tu as une idée, tu ne vas pas profondément dans l'idée. Et c'est comme ça que ça bloque... ça bloque ton... Bon, supposons Dieu veut te donner l'argent à travers la vente de chaussures. Tu as une idée, tu commences à chercher, après tu abandonnes. La période là, tu n'auras pas d'argent parce que ton argent se trouve dans les chaussures que tu allais vendre. Voilà. Ok. Et tu ne dois pas donner comme excuse que là, tu n'as pas d'argent. Donc, je vois aussi beaucoup de confusion. C'est comme si tu as beaucoup de batailles de pensée. Donc, et tu dois prendre le kit des envoûtements, tu dois le faire. Le kit des envoûtements va beaucoup t'aider. Oui, kit des envoûtements. Parce que je vois beaucoup, tu as beaucoup d'attaques de pensée. Et dans ce kit, je pense qu'il y a du blindage. Tu as beaucoup moins de ça sur ta tête. Et le thé, tu le bois. Parce que dans le ventre aussi, tu as des choses qui te ralentissent, qui te bloquent. Donc, tu as aussi été victime de beaucoup de jalousie. D'accord. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas beaucoup. C'est pour ça que quand les gens osent te faire du mal ou viennent vers toi pour te faire du mal, tu succombes. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ce que tu portes. Donc, tu es un ange terrestre. On ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher. Écris ça quelque part. Je t'ai parlé de protection. J'ai deux cartes de protection qui sont sorties. Tu es très protégé. Maintenant, l'ennemi va venir jouer sur ton nid, sur ton ignorance. Voilà, ton ignorance de toi. Mais tu ne peux pas laisser que ça dure. Donc, si tu ne fais rien pour ça, pour diminuer la peur que tu as en toi, personne ne va le faire pour toi. Je vois qu'il y a aussi un peu de paresse spirituelle. Tu as un peu de paresse spirituelle. Personne ne viendra te sortir de ton pétrin. Enfin, je te le prie. Personne ne viendra faire le travail pour toi. Donc, tu dois t'activer. Pardon. Allez-y, si je peux, oui.
Non, je rentre pas là-bas, je rentre pas là-bas. Je ne rentre pas dans ça. Quand vous venez à moi, je vous dis ce qu'il y a dans votre aura. Maintenant, vous, si vous voulez me ramener dans vos problèmes, de genre, il y a ça, 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 c'est en te concentrant sur ta puissance que tu vas la manifester. Ce n'est pas en me parlant de tes problèmes. Oui. Je viens de te dire, je te parlais du business. Si tu ne veux pas lancer le business, tu vas toujours manquer d'argent. Toujours. Et toi, tu es censé coacher des femmes. Tu ne le fais pas, tu vas manquer d'argent. Parce que le problème, c'est que vous voulez rester dans ce que vous êtes et vous voulez que Dieu vienne vous trouver là-bas. Mais il ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Oui. Tu sais utiliser déjà les réseaux sociaux. Donc, commence à utiliser les réseaux sociaux et tu fais déjà, tu postes des choses qui vont aider les gens. Oui. Ok. Puis quitte des envoûtements d'abord et tu vas prendre aussi, il faut prendre un lavage à distance. Tu prends le lavage à distance aussi. Et pendant le lavage, je te dirai s'il y a d'autres choses à faire. Donc tu payes et puis on va te mettre dans la liste de ceux qui attendent. D'accord. Pour l'instant, tu vas te focaliser beaucoup sur l'ouverture de tes dons. Il y a beaucoup de personnes que si tu commences maintenant, les personnes voudront. Sûrement, tu conseilles même déjà les gens. Mais tu négliges un peu. Oui. Voilà. Ok. Et on me dit aussi que ce que tu as fait, ce que tu as fait, le boulot que tu as, il y a des compétences que tu as apprises dans ce boulot-là qui vont aider les personnes qui viendront à toi. Tu vas utiliser ça pour conseiller les gens. Mais tu as au moins ce 2 ou 3 mois de travail sur toi. Beaucoup. Oui. Ok. Bon. Écris et puis la secrétaire va te répondre pour ce que tu as à faire. Ok. Bonne journée à toi. Merci. Bye bye. Au revoir. Bonjour, le roi Clovis. Merci à Aïdé pour le cœur. Bon, je vais essayer de voir s'il y a encore d'autres personnes que je dois lire. WhatsApp est dans la bio, oui, mon WhatsApp est dans la bio. Oui, si tu as écrit sur WhatsApp, la secrétaire va te répondre. C'est d'abord quoi un ange selon toi? Un ange terrestre, c'est quelqu'un qui est là pour aider les gens vers une terre promise. C'est quelqu'un qui est là pour... avec un but, avec une mission. Les anges, généralement, viennent pour exécuter quelque chose. Il y a aussi quelqu'un qui est là pour faire du bien aux gens.
Souvent, vous-même, quand tu dis à quelqu'un, oh, tu es un ange. Mais la seule chose que j'ajoute de plus, c'est que quelqu'un qui est un ange terrestre, ce n'est pas là pour qu'on lui marche dessus. Il est là pour exécuter ce qu'il a à faire, comme on prend des sangs. Il a son truc à faire. Voilà, c'est la différence par rapport à ce que, oh, tu es un ange, je peux t'insulter comme je veux, tu ne vas rien me faire. Non, ce n'est pas le genre là. Mais généralement, on dit quelqu'un ange parce qu'il nous a fait du bien. Bon, j'ai affiché, j'ai terminé. Ceux qui ont payé pour des lectures là, je vous en prie, écrivez un peu en inbox. Y a-t-il une heure pour faire les bains de sel? Va regarder mes vidéos, tu vas avoir ça dans le temps. Vous êtes paresseux. Si je tombe pour la première fois sur la page d'une femme comme moi, je vais aller regarder toutes mes vidéos. Je vais dire que je tombe sur la page de quelqu'un qui a un TikTok comme pour moi. Je vais aller regarder toutes les vidéos qui sont sur la page là. Toi, tu pars, tu regardes une vidéo. Tu tombes dans le direct, tu viens maintenant. Je commence à vous poser la question. Comme j'ai ouvert la lumière de derrière là. Arrêtez-nous souvent la paresse, non? Tu as reçu le kit fondation écrit à la personne à qui tu communiques depuis. Il y a une vidéo sur YouTube qui va te donner le lien. Bon, j'ai terminé un TikTok. Je vais vous laisser. Me suis rien de va chez toi. Premièrement, commence à te laver avec le sel. Deuxièmement, prends un kit fondation à Abidjan. Et troisièmement, tu m'envoies ta photo. Je travaille sur toi à distance. Voilà les trois choses que je peux faire pour commencer. On ne fait pas d'abord la consultation. Prends un kit fondation. Tu utilises d'abord avant de demander la consultation, madame. Ok? Ne courez pas seulement pour la consultation. Tu vas avoir une lecture de carte, Olivia. Tu vas payer où? C'est que vous venez pour avoir le gratuit. Je vous connais. Allô? Tu as payé. Tu es censé venir faire quoi? Consultation et lavage ou bien? D'accord, il faut venir à 14h. Parce qu'il finit le travail à 16h normalement. Donc viens à 14h. Il faut venir à 13h30, c'est bon. Bye bye. Tout à l'heure. Il y a le couvre-feu au Gabon. Non, Olivia Cavassi, elle n'a pas payé pour les gens. Il n'a pas payé.
Bonjour, ma reine. Vous aimez tenter les gens, hein? Tu es couché dans ton lit, tu m'appelles pourquoi? Non, la reine, c'est que je... Je suis à lui à partir de 11h. Non, pas 11h, non, non, non. Je commence à travailler chez Jean à 13h. Mais je vais arriver là-bas vers 11h30. Donc viens partir de 12h30, s'il te plaît. Ok. Tu as payé depuis le 23. Écris dans le message ici. Écris dans la messagerie. Écris à la secrétaire. Ok, je vois ton message juste là. Ah. Tu as payé combien? C'est pour 10 cartes que tu as payé apparemment. Ok, donc je vais te faire tes 10 cartes. C'est 10 cartes, j'espère. Tu as le don de la parole. Les cartes qui sont sorties pour toi là, je donne la parole. Tu es une très fine oratrice, mais j'ai l'impression que tu as peur de t'exprimer, tu as peur de parler, un peu comme si tes dons sont bloqués. Tu es aussi très spirituel en même temps, tu es très spirituel. Qui fait que tu ne comprends pas généralement pourquoi tu fais tout ce que tu fais, mais tes choses ne marchent pas. Tu es très spirituel. Maintenant, le problème, c'est que tu te retiens de donner ce que tu as en toi aux gens, en fait. Chose que tu ne devrais pas. Chose que tu ne devrais pas. Il faut exprimer ça aux gens, il faut parler. Deuxième chose. Tu as sûrement vécu un abandon dans ton enfance, ce qui fait que en tant qu'adulte, tu as de la peine à croire certaines choses. Ou ta foi est un peu attaquée. Tu ne crois pas que quelqu'un peut t'aimer, tu ne crois pas que quelqu'un peut être avec toi de façon stable. Sinon, tu fais même l'effort pour repousser les gens. Tu es censé beaucoup voyager. C'est pas que tu aimes beaucoup, c'est un loisir pour le moment, mais c'est possible que tu fasses de ça une sorte de métier, quelque chose. Qui te fasse voyager tout le temps et ça te donne de l'argent en même temps. Donc tu as aussi eu, tes relations amoureuses n'ont pas vraiment été très très paisibles. Tu vois beaucoup de secousses, des relations qui sont terminées en queue de poisson ou de façon brutale. Ça t'a beaucoup fait mal. On t'a aussi donné beaucoup de fausses promesses, côté boulot ou bien côté amoureux. Bon, j'ai parlé d'ange terrestre tout à l'heure. Tu es un ange terrestre, tu as appelé à faire des choses, mais ça ne va pas se réaliser seul. Ce qui fait que si tu ne fais pas attention, tu auras la tentation de toujours... succomber au mauvais traitement. Ouais. Allô? Sérieux? Tu l'as appelé? Oh my god. Attends, ça m'étonne quand même, mais attends, je vais essayer de l'appeler moi-même alors.